A few moments later. Et hop, coucou! Comment ça va tout le monde? Coucou Lounès! Alors, j'ai une question. Est-ce que toi aussi tu trouves que les boules c'est la pire attaque sur Radiance? Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est. Je veux dire, les attaques de Radiance, de toute façon, je les vois toutes et je me les prends toutes quand même. Donc, pour moi, elles sont toutes pires. J'avouerai là où j'ai plus de mal, c'est sur bah, la phase 2. Parce que bon, ok, la phase 1, t'as de la place pour esquiver. La phase 2 avec cette plateforme à la noix. Il y a des plateformes donc c'est mort. Mais ouais, c'est vrai que les boules sont un peu embêtantes parce que je sais jamais en fait. Je dash, mais je sais jamais si je dois dasher au travers parce que des fois, si j'esquive trop tôt, les boules me suivent. Donc c'est un peu. J'ai pas encore tout à fait compris comment ça marche, mais bon. Forgather, c'est un bot. Ah ouais, d'accord, oui, c'est bon. Bon. De toute façon, en fait, je crois que c'est simple, les gens qui follow et que en début de stream comme ça et qui parlent pas dans le chat, je vais partir du principe que c'est des bots. Et coucou Avoué, comment ça va? Alors je sais plus du tout ce que j'avais dit. Il me semble que j'avais parlé dimanche dernier de continuer les flammes pour Grimm. Donc pourquoi pas aller s'amuser, aller danser un petit peu avec Grimm aujourd'hui, tout ça. Mais je sais plus. Il me semble que c'était ce que j'avais fait. Enfin, ce que j'avais prévu. Donc on va voir. Mais ouais. Je crois que c'était. Je suis désolée, je suis complètement à la ramasse cette semaine. D'ailleurs, ben pareil, vendredi j'ai annulé. J'aurais commencé genre 1h30 en retard, sans avoir mangé, en sortant direct du taf. Et puis je me suis dit non, ben, c'est pas possible, je peux pas quoi. C'est. En fait, tant pis pour une fois j'ai annulé. J'ai bien fait parce qu'honnêtement, j'étais encore plus crevée que mardi. Donc, vous imaginez la merde, quoi. Pire en pire, pour moi, je me suis couchée à 4h du mat à cause de la chaleur et le bruit de mon ventilateur. Ah, mais t'es sûr que tu veux pas dormir, du coup, si tu sais que 4h du matin, 10h, ça fait pas des masses, quoi. Alors, sinon, pour le ventilateur, éventuellement, mais peut-être des, tu sais, des bouchons d'oreilles, là, des boules caisses, des trucs comme ça. Moi, j'avoue, c'est ce que je fais, parce que sinon, à 3h du matin, j'ai les oiseaux qui gueulent sous la fenêtre et c'est juste insupportable. Ça va, ok, tant mieux. Ah, parce que la fatigue, c'est pas cool. C'est genre pas cool du tout. Donc ouais, j'espère que je vais pas faire trop de merde, parce que je vous cache pas, je suis encore fatiguée aujourd'hui, hein. C'est moche des dieux. Mais bon, on va voir, on va aller chasser les petites flammes pour se remettre dans le jeu. J'ai pas touché au jeu depuis une semaine, enfin j'ai. En fait, je touche pas au jeu en dehors des streams, du coup. C'est peut-être pas une bonne chose. Je devrais peut-être jouer plus. Putain, elle a encore de travers, cette cam. Je sais pas comment mettre ma cam. Je sais plus comment la centrer et tout qui est. Attendez. Ah non, en fait, on a l'impression que. Je sais pas comment la centrer, je sais plus. C'est mon bureau, il est pas hyper bien positionné. Là, quand elle est entre les deux écrans, c'est. Vous savez, c'est ces trucs à la noix. Où en fait, vous avez le bureau et il y a des tiroirs d'un côté. Donc en fait, techniquement, quand vous pouvez pas être totalement centré avec votre bureau, sauf que mes pieds, eux, par contre, pour les pieds, pour les écrans, ils sont centrés. Donc du coup, là, techniquement, voilà, là, je suis dans l'espace qu'il y a pour mes jambes. Et là, je suis au milieu du bureau, mais du coup, j'ai les genoux dans les tiroirs. Donc c'est un peu chiantose. Moi, j'aime bien les bureaux où il y a soit rien en dessous, soit il y a des trucs des deux côtés, comme ça, vous êtes bien au milieu. En fait, c'est ça, j'aime bien être centré sur mon bureau, je crois que. Ou je pourrais déplacer mon pied pour les écrans, vous me direz. C'est faisable aussi. Ce serait pas bête. On va pas faire ça maintenant, sinon il y a tout qui va se vautrer et je sens venir la catastrophe, mais genre grave. Déjà que ça va pas être glorieux en temps normal. J'ai demandé à ma mère de m'en acheter, elle a dit on verra. Ah, pour les bouchons d'oreille.
Bah ouais, parce que ça... Enfin bon, ça aide quand même, quoi. Après, oui, ça marche, mais à une condition, il faut pas être le genre de personne qui, de base, n'entend pas son réveil le matin quand tu dois te lever pour le boulot ou l'école. Parce que si t'es du genre à... Ton cerveau, il n'entend pas déjà la sonnerie de base, si t'as des bouchons d'oreilles, ce sera encore pire. Ton live d'hier, t'as explosé. Ah ouais, attends, t'as fait un live, du coup? Sur Twitch, tu veux dire? Ok, il s'est passé quoi? C'est vrai que c'est pas toujours évident de live. Hein. Et pareil, et qu'est-ce que tu as fait comme jeu, du coup? J'en ai marre, mon casque me gratte. Voilà. Le fait d'avoir 50 anneaux dans les oreilles, du coup, dès que je mets un gros casque comme ça, ça... Il y a eu 0 personne pour mon premier live, j'ai eu 10 follow. Oh, mais c'est cool, ça! Ça, c'est 10 follow déjà le premier live, c'est pas mal, hein. C'est, Just Chatting et du Among Us, d'accord. Après, ouais, les 0 personnes en live, c'est vrai que c'est pas évident. C'est... moi aussi, hein, quand j'ai commencé, j'avais un follow et 0 viewer. C'était un peu la dash. Non, par contre, ce qui marche bien, c'est voilà, quand t'es dans pas mal de communautés, comme toi déjà, t'es sur d'autres streams. Éventuellement, si t'es sur les Discord de ces autres personnes et qu'eux, ils te font un petit peu de pub, ça peut monter vite. Pas du Among Us, please. Ah, on y a trop joué, Fantasy, c'est ça? On en a trop fait du Among Us. Coucou, au fait. J'espère que tu as bien dormi. J'espère que t'es plus en forme que moi, parce que... Je sais pas si ça se voit, mais là, dans le miroir, ce matin, j'ai fait... Ah ouais, d'accord. Je pense que ça se voit pas autant à la caméra que dans la salle de bain, avec la bonne lumière des néons. Allez, celle qui... Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être la plus belle personne du monde. Vous regardez dans le miroir de la salle de bain sous le vieux néon dégueulasse. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis moche. Ça, c'est... Ou qu'est-ce que j'ai une sale tête, ou voilà... Ouais, c'est vrai, j'avoue, à Among Us, j'étais plus dedans il y a quelques mois, et puis maintenant, ça m'a un peu passé, quoi. Coucou, Aywind. Ah merde, oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Vas-y, tu pensais... J'espérais que tout le monde allait oublier, mais en fait, non. Bah, merci. Ah bah, écoute, je suis fatiguée, donc rien de nouveau sous le soleil, mais dans une semaine, j'ai quelques jours de vacances, donc je vais en profiter pour rien faire. En fait, c'est ça, quand j'ai des vacances, je fais rien en ce moment. C'est voyager, non, trop fatigant. Faire des trucs productifs, non, trop fatigant. C'est un peu nul, quoi, mais bon. Je pense que j'irai me promener, j'irai lire. Et ça va être à peu près ça, quoi. Il y a une personne qui croit qu'il faut monter soi-même sans aide, mais il y a des milliers de contenus et c'est quasi impossible de monter sans aide. Ah oui, non, mais... Je veux dire, les personnes qui sont là ouais, il faut travailler dur, et il n'y a que ça qui marche et tout, il n'y a que ça qui est vrai, si vous recevez de l'aide, c'est pas bien... Non, c'est des conneries. Il y a des gens qui peuvent vous aider, prenez l'aide. Prenez l'aide, parce que la découvrabilité sur Twitch, c'est de la merde. C'est... Ça marche pas. Ça marchait il y a 5-6 ans, quand il y avait moins de gens, mais là, en plus, depuis l'an dernier, avec tout le monde et son chien qui ont commencé à streamer depuis les confinements, je veux pas dire qu'il y a plus de streamers que de viewers, mais enfin bon, la quantité de streamers a augmenté, mais la quantité de viewers a pas forcément augmenté en proportion. Donc ouais, c'est pas... Non, s'il y a des gens... Et moi, c'est pareil, je veux dire, Fantasy, Dan, Aywind... Azela, Chuba, ça c'est... Enfin, Azela est venue par le biais de Chuba, mais je veux dire, tout ça, c'est des gens qui, à la base, viennent de la commu de Crystal, parce que Crystal, à un moment donné, en stream, elle avait fait « Ouais, je vais faire... s'il y en a parmi vous qui stream, dites-le moi, et puis on viendra vous faire coucou et tout, quoi. » Donc c'est ça, il n'y aurait pas eu Crystal et Water Patate qui m'ont fait un peu de pub. Moi, je serais encore à 45 follow et un viewer. Hein. Voilà. J'ai commencé à rien faire hier, mais je vais continuer aujourd'hui parce que j'ai pas fini. Ouais, je valide. Et oui, Fantasy, c'est mon anniversaire. Hélas. Je dis hélas parce que, ah bon, bah maintenant, c'est plus... ouais, je grandis, maintenant, c'est... Ouais, je vieillis. Mais je me suis acheté un petit cupcake... Donc ça va, j'ai un petit cupcake avec une petite bougie pour fêter, parce que j'avais pas envie de faire un gâteau pour moi toute seule, quoi. Merci Dan. Ouais, oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui. Attends, tellement longtemps que c'est ton anniversaire. Ah bah ça doit être genre, c'est l'an prochain du coup, ou c'est genre en décembre, ou n'est-ce?
J'avoue qu'il y a plus de streamers que de viewers. Mais ouais, des fois, tu te demandes, quoi. C'est... Alors, je pense que si, il y a quand même plus de viewers. Mais si vous voulez, peut-être que, je sais pas, le nombre de streamers a fait x3 et le nombre de viewers a fait x2, un truc comme ça. Donc, en proportionnellement, bah, quand tu commences... Ah ouais, le 14 avril, d'accord, ouais, c'est fou, tu nous le rappelleras. Parce que d'ici là... d'ici là, je pense que mon cerveau aura malheureusement zappé. Encore que. Encore que j'ai des potes qui sont nés le 13 avril, donc je pourrais peut-être me le rappeler à cause de ça. Un cupcake, c'est mignon. L'année dernière, j'ai eu droit à encore une année de moins entre toi et la mort sur un gâteau. Bah, en fait, c'est ce que moi, je me suis dit hier, quoi. C'est, ah ouais, encore une année de moins entre moi et la mort. Ah. Youpi joie, exactement. C'est... Bon, ça pourrait être pire, hein. Je pourrais avoir 80 ans, mais... Mais c'est vrai que c'est un peu... C'est des potes qui m'ont fait ça, c'était drôle. Oui, bah oui, quand c'est des potes, évidemment, quoi. Mais en vrai, malheureusement, ben si, c'est vrai, quoi. C'est ça, le problème. C'est... Alors oui, je dis pas, quand j'avais... Voilà, quand t'as 18-20 ans, t'étais content, ça, c'est des étapes. 18 ans, t'es majeur. 20 ans, bah t'as 20 ans, quoi. C'est quand même quelque chose. Après, passer la quarantaine, tu fais... Ah ouais, ok, c'est... La mort nous rattrape petit à petit. Ben ouais. C'est... Bon après ça va, hein, j'ai pas encore un pied dans la tombe, enfin je croise les doigts. Ils auraient pu l'écrire en lettres de sang devant chez toi. Je déteste tout ce qui a rapport à la mort. Mais t'avais pas joué au jeu là où tu jouais le corbeau là l'assistant de la mort, hein, justement. T'as pas joué à Hadès où t'es le fils du dieu des morts. Je sais pas, Fantasy, non? Après, quand on y pense, le nombre de jeux qui ont trait avec des trucs qui ont trait à la mort, quoi. Genre, ne serait-ce que le nombre de fois où ton personnage meurt, te passe. J'ai eu le boss final du P5 en Ascension, GG. Donc, Ascension, on est d'accord, c'est un dégât, tu meurs. Hein. Donc, en fait, c'est en O8. Ah, IRL, ok. Ouais, parce qu'autrement... Oui, c'est pas très joyeux, ouais. Je vois ce que tu veux dire, j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu pendant mes 20 ans, donc pas que j'ai des choses obligatoires à faire, mais c'est à ce moment-là que tu peux vraiment profiter. Et le problème aussi, c'est que quand t'as, ouais, entre 20 et 30 ans, t'as plein d'énergie pour faire plein de choses, le problème c'est que souvent t'as pas de pognon. Genre tu veux voyager, tu veux faire le tour du monde, ouais, ce serait idéal entre, je sais pas, la fac et ta première année de travail, ce serait bien. Le problème c'est que t'as souvent pas d'argent, quoi. Ascension, c'est juste le double des dégâts, c'est radiant un dégât tumeur. Ok, merci. Ouais, maintenant que tu le dis, ouais, j'ai complètement confondu. Mais quand même, GG. A mis un point malencontreux, c'est pas grave, Ewin, ça a pas été viré du chat, donc on a pu le voir quand même. Mais c'est ça, bon, il paraît des trucs que je voulais faire à 20 ans. Maintenant, ouais, truc style faire le tour du monde, ça a l'air séduisant. Mais il me faudrait que je prenne une année sans boulot, quoi. C'est, je peux pas aller me prendre... Je sais pas si je fais 3 semaines de vacances, mettons que je mets 3 semaines de côté... niveau boulot. Et que je pars en voyage pendant ces 3 semaines. Mais quand je reviens avec le décalage horaire, mais je suis dead. Il me faut 2 semaines pour m'en remettre. Donc en fait, c'est juste plus faisable, quoi. C'est... À 25 ans, ouais, je dis pas. Mais alors maintenant... Ouais. 25, 28 ans, j'ai fait des trucs. Genre, effectivement, je rentrais en avion d'une semaine de voyage. Je rentrais le dimanche à 23h. Et le lundi, j'étais debout à 6h du matin pour le boulot. Et ça allait, quoi. Mais là... Là, maintenant, j'ai un peu plus de mal, quand même. Bon, après, faut dire aussi que j'ai un corps qui est mais débile, il est con au possible. C'est-à-dire que dès que j'ai un peu de stress, mon corps, il décide que « Ah ben tiens, comme ça suffit pas, en plus, on va faire en sorte que t'aies des insomnies et que tu dormes pas. » Parce que c'est vrai que être stressé, juste stressé, c'est pas drôle. Être stressé avec un manque de sommeil, c'est carrément plus intéressant, n'est-ce pas? Il est débile, ce corps. Il est débile. Et ça, partir avec des potes en vacances à l'étranger, te permettre quelques folies, etc. Mais faut pas partir de chez papa, maman à 15 ans. Parce que bah, le permis est plus compliqué. Et puis quand tu dois déjà t'assumer financièrement à 20 ans, c'est mort. Ouais, ouais. C'est... Pff. Moi, je suis partie à 18 ans. Parce que, ben... Moi, j'avais eu une chambre en CTU déjà, donc j'en ai profité. Et puis, je partais du principe qu'à 18 ans, tu décars de chez tes parents, t'es adulte, tu pars, quoi. C'est pas forcément le truc le plus malin à faire, dans le sens où... C'est vrai que quelque part, si tu bosses et que t'es chez tes parents, ça te fait moins de dépenses, donc tu peux mettre un peu de côté, et après, quand tu vis seul, ça te permet de démarrer avec déjà des économies.
Mais bon, ça dépend aussi comment tu t'entends avec tes parents. Hein. Du genre, si c'est tendu du slip dans la famille, t'as plutôt envie de te barrer, quoi. C'est... Ah, j'ai fait un vieux slurp dégueulasse en buvant, je sais pas que vous l'avez pas entendu. Mais ouais, moi j'ai... 18 ans, t'es adulte, à 18 ans, t'es légalement majeur. J'en connais qui sont pas adultes avant longtemps. Oui, 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 à 18 ans, légalement majeur. Mais moi, dans ma tête, à l'époque, c'était légalement majeur égale adulte. Donc, c'est... Alors, j'ai pas tout de suite bossé à 18 ans, mais 19, 20 ans, j'ai fait des jobs pendant, tu sais, 3-4 mois en été, comme ça, pour mettre de côté. Et j'ai commencé à bosser à 22 ans. Ouais. Comme ça, c'était assez tôt, finalement, comparé à... parce que c'est pas toujours évident, si tu fais des études longues, c'est clair que t'as pas forcément le boulot tout de suite non plus, quoi. Déjà dormir le lendemain, je suis éclatée, juste dormir, j'en peux plus. Non mais... Ah, mais dormir, c'est compliqué, hein. C'est... Alors, on me dit, faut pas prendre de somnifères, c'est pas bien, je dis, mais dormir que 3 heures par nuit, c'est pas bon pour le cerveau non plus, donc... Et en plus, tu fais de la merde au taf, donc... Je suis partie à 20 ans de chez ma mère, c'est pas plus simple qu'à 18 ans. Non, c'est pas plus simple, c'est d'accord. C'est clair. Alors que t'es mineur. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, laisse venir les 18 ans, t'as encore le temps, du coup. Le meilleur conseil que je peux donner à ma qualité de vieux con aigri, restez chez vos parents tant que vous n'avez pas le permis, une voiture qui n'a pas besoin de passer au garage toutes les semaines, l'immeuble de votre futur appart, des sous de côté et un boulot. Ben c'est ça, mais c'est pas toujours... Je veux dire, quand si tu viens d'une famille où, comme dit, c'est tendu, rester chez tes parents pendant encore 3, 4, 5 ans, c'est pas forcément le meilleur truc non plus, quoi. Disons, quand je parle tendu, je veux dire vraiment où c'est... je sais pas, malheureusement des gens, ils ont des problèmes, je veux dire, je sais pas, il y a un parent qui les frappe ou des trucs comme ça, tu te fais frapper par tes parents, je vous rassure, c'est pas mon cas, hein, c'est mes parents, ils m'ont jamais cogné, je vous rassure, je dis pas ça par expérience perso, mais voilà, dans des cas comme ça, dès que t'es majeur, voire même avant, tu te fais émanciper, tu te barres pour ta propre sécurité, quoi, c'est... Mais c'est vrai que dans l'idéal, oui, si tu peux rester chez tes parents jusqu'à, je sais pas, 23 ans, le temps de mettre de côté, de passer ton permis, effectivement, de mettre un peu de côté. Bon, les meubles du futur appart, à la limite, ouais, si tu pars sur un studio, un truc comme ça, ou un appart meublé, ça dépend où vous habitez. Je veux dire, ici, par exemple, Londres ou Édimbourg, les grandes villes, tu peux trouver des petits appartements d'une ou deux pièces déjà meublés. Donc ça va encore, quoi. Et oui, j'ai pas le permis et je vis très bien. Mais ça dépend où tu vis, c'est ça. À partir du moment où tu gagnes pas des 100 et des 1000 dans la vie, c'est compliqué, ouais. Ah ouais. Mais moi, le truc, c'est que à un moment donné, 22, 23 ans, je suis allée habiter. À un moment donné, j'étais à la campagne. Et vous habitez à la campagne, vous avez pas de voiture, c'est mort. C'est mort, mort, mort. Alors que si depuis le début j'avais habité par exemple à Londres, je pense que si j'étais née, que j'avais grandi à Londres et que j'habitais encore maintenant, j'aurais pas le permis. Parce qu'il y a absolument aucun besoin d'avoir un permis ici. C'est même, avoir une bagnole, c'est même plus une emmerde qu'autre chose, quoi. Le jour où j'aurais 51 ans, je me dirais yes, je suis plus proche de la mort que de la naissance. Ah, quoique, on peut dépasser la centaine. Mais bon. Moi, en l'occurrence, j'ai proposé à mes parents de m'émanciper à mes 15 ans. Ils ont accepté. J'ai vécu chez mon meilleur pote. Même si sa mère est devenue ma maman, je pouvais pas squatter chez elle, même en participant à Déternam. Ouais. Ouais, ben voilà, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'imagine que... Je vais pas te demander de détails, mais si on se fait émanciper à 15 ans, c'est que y a quelque chose, quoi. Il y a un besoin. Tu te fais pas émanciper à 15-16 ans juste pour faire joli. Donc c'est pas évident, quoi. Je l'ai eu qu'en juillet dernier, j'ai bien vécu, mais c'est quand même un atout. Ah oui, pour le permis. Ouais. C'est quoi ça d'avoir hâte de mourir, nom de Dieu? Mais non, j'ai pas hâte de mourir. Non, je voulais dire, 51 ans, c'est... Tu peux dépasser les 100 ans. Je veux dire, tu peux vivre, je sais pas, c'est possible qu'on vivra jusqu'à 110 ans, j'en sais rien. C'est assez improbable, mais techniquement, c'est pas impossible pour un être humain. Donc, peut-être qu'à 51 ans, tu seras encore un peu plus proche de ta naissance que de ta mort. C'est l'expérience de mourir. Ouais, c'est juste tu l'as fait qu'une fois, quoi. Tu peux pas la revivre ensuite.
Ah oui, c'était pas pour... Ouais. C'est pas pour Lounès. Attendez, j'ai raté un truc. Ah! Pas désiré, mais on dit chacun leur tour sans avoir pu se consulter entre temps. C'est pour ça que mon frère aîné n'a qu'un an de plus, ils ont refusé de m'assumer. Ah ouais, d'accord. Ok, ouais. Ben écoute, à part dire je suis désolée que t'aies eu à vivre ça, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à dire, malheureusement. T'es au courant qu'après tu vis plus aussi. Oui, c'est ça. Oh, merci monsieur Plop, c'est gentil. Je le fête pas, hein, je vous cache pas, mais... parce que bah, tous mes potes, ils sont pas ici déjà, donc... J'ai pas vraiment grand monde avec qui l'organiser. Et puis, donc je me suis pas fait de gâteau, mais je me suis acheté un petit cupcake là pour avoir un gâteau quand même. Ouais, c'est ça, on fait tous un gros câlin à Highwind. Soyez pas désolé, ça m'a obligé à me prendre en main relativement tôt, ça a été un gros avantage. Ouais, mais bon, émotionnellement, c'est pas cool quand même, quoi. C'est. Mais voilà. Ah, monsieur Plop, par contre, j'ai vu TMP ce matin, mais je sais plus à quoi ça faisait allusion, je suis désolée, j'ai pas trop compris. Toujours des sujets négatifs en début stream, pourquoi ça part toujours comme ça? Bah en fait on évacue la négativité comme ça, ça m'évite de chouiner, de râler, de rager pendant Hollow Knight. Voilà, ça doit être ça. À la base c'était pas un sujet négatif, à la base on m'a juste dit joyeux anniversaire. Hein. Et... Non mais, bah ouais. Bah en tout cas Ewin, j'espère que ça va maintenant quoi, et que... C'est pas toujours évident, hein, et... Ah, moi, je peux pas dire que j'étais pas désirée, si j'étais désirée, mais quelque part, je suis un petit peu l'enfant du remplacement, parce que, en fait, je rentre pas dans les détails, mais disons que j'ai un frère qui est né un an avant moi, mais qui est mort. Donc du coup, bah, mes parents, ils m'ont fait tout de suite après, parce qu'ils avaient pas envie d'attendre, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas... Des fois, je me dis... je ne suis là que grâce à la mort de quelqu'un, quoi. Donc c'est un peu malheureux quand même, quoi. De toute façon, tu pleures, tu t'énerves et tu râles même sans sujet négatif sur Hollow Knight. Non, je pleure pas. Je pleure pas, je chouine. Mais vous m'avez jamais vu pleurer en stream. C'est pas demain que ça passe. C'est pas demain la veille que ça va arriver, quoi. Incapacité à bien lire le chat. Ouais, comme ça on évacue le négatif. Mais monsieur Plop, en fait, je sais plus, je crois que j'avais juste dit bonsoir et après... après, je sais plus ce qu'on avait dit dans le chat. Ouais, maintenant j'ai plus de famille ni d'amis, je me tiens à l'écart des emmerdes. C'est une façon de voir les choses. C'est un peu dommage quand même. Mais... Non, mais après, quand je disais ça, le truc du remplacement, c'est... Voilà, quoi. Je fais déjà 27... Quoi, attendez, alors attendez, j'ai pas tout suivi. Ah, il fait déjà 27 degrés dans ton appart. J'ai lu 27 ans, j'ai... Hein? Envie de canner, tiens, tu m'étonnes. C'est pour ça que je me plains pas, on dit le Royaume-Uni, il pleut tout le temps et tout, machin, mais en vrai, il fait assez rarement plus de 30 degrés, même en été, quoi. Là, cet été, on a eu quelque part, je crois, 10 jours où vraiment il faisait chaud. Genre, vraiment, j'étais dans ma piole en short et en débardeur, pas avec des pantalons ou des t-shirts longs. Enfin, t-shirt long, je veux dire ça, quoi. Des t-shirts avec des manches. Mais... Ah ben, je suis désolée, j'ai le cerveau qui est partout, là. Je rebondis sur 50 trucs dans le chat. Ça gêne si je reste en calcif. Ben, écoute, moi, je dis, on te voit pas. Eh, pour ce que vous en savez, peut-être que je suis en petite culotte, hein. Non, je le suis pas, je vous rassure. Mais c'est vrai qu'en stream, vous voyez que j'ai les gens jusqu'ici. Je récapitule le début du live, on a commencé, on a souhaité bon anniversaire à Nao, on a parlé de la mort, des enfants qui frappent, des enfants non mérités, on en est là. Ouais, c'est ça. Fantaisie à poil, non. Dame qui tente communiquer. Oui, les parents qui frappent. C'est ça. C'est le petit troll du matin, là, du coup. Mais c'est vrai qu'on commence souvent en parlant le stream en parlant de sujets pas forcément super jouasses. Je sais pas pourquoi. Après, parler de sujets bien, hein, allez-y, n'hésitez pas, je rebondirai sur les sujets bien aussi. Y a aucun problème. La poncunée en culotte qui te troll. Non, je stream pas en culotte, faut pas déconner. C'est
C'est pas super confortable en plus d'être assis sur une chaise. Quand il fait chaud, vous avez la chaise qui ça vous colle aux cuisses quoi. Le secret de tous les streamers, ouais, streamers en caleçon. Et pareil, je suis sûre que là, je veux dire au boulot, parce que nous on est au téléphone et par email avec les clients nous voient pas. Je suis sûre que depuis un an et demi qu'on travaille tous à domicile, je suis sûre que j'ai des collègues, ils sont en été, ils sont en caleçon et torse poil. Si je peux arrêter de parler 3 secondes, je dois mettre une alerte. Tu vas mettre John Cena, c'est ça? Ah vas-y, je te laisse 3 secondes. And his name is John C. Je le savais, c'était John Cena. En vrai, j'ai quelques amis, mais pas dans ma ville. Puis je suis fatiguée du jeu de séduction, de juger les gens, s'entendre, découvrir les autres, etc. C'est pour ça que je reste célib aussi. Je suis qui je suis, j'ai pas envie de me demander comment va être perçu ce que je fais ou comment je me fringue. C'est vrai qu'il y a un côté pénible. Alors, moi, je vous cache pas, je reste célibataire par choix aussi. Je ne cherche pas, en fait, je cherche pas à m'engager romantiquement. En plus. Je suis assez loin sur le spectre Aroace en plus de ça, donc l'amour romantique c'est quelque chose que je ressens extrêmement rarement, genre une fois tous les 20 ans. Donc c'est pas très difficile quoi. Veut-on vraiment savoir le quoi du qu'est-ce tu te sous du pur C'est ça, il y a des choses qui ne se disent pas, des secrets qui se gardent précieusement. À quoi ressemblent les streamers sous le bureau? Mystère. L'autre live, je crois que t'avais parlé du chevalier méprisé. Ah oui, lui aussi, il faut que je le fasse. Eh, c'est chevalier méprisé ou champion raté? Je me rappelle jamais, en fait. C'est quoi, nouveau, son nom? Je me rappelle plus son nom. C'est le chevalier méprisé? Et après, c'est le champion raté? Oh purée, assez. Je joue à ce jeu depuis 5 mois quand même, enfin depuis fin mars, mais j'ai oublié le nom du premier boss. C'est lamentable. Écoutez, je peux réessayer. Champion raté. Ouais, champion raté, c'est sa version rêve, mais. Son nom d'origine, c'est. C'est le chevalier méprisé? Alors c'est Failed Champion. False Knight. Le faux chevalier. Chevalier raté. Oh là là, ah c'est horrible. Je vais regarder dans le journal du chasseur. C'est les deux chevaliers méprisés ou champions ratés vu que la trad française c'est nul. Alors je dirais pas qu'elle est nulle, mais moi j'ai l'impression qu'elle a été faite par plusieurs personnes qui sont pas forcément concertées entre elles. Genre le ruche chevalier. On l'aura tous vu au Panthéon lui. Je crois que c'est que au Panthéon par contre, parce qu'il me semble que c'est bien chevalier de la ruche dans la ruche normale. Mais c'est vraiment ça, ça m'a l'air d'être de la traduction pas coordonnée. Genre, c'est pas le même traducteur qui a fait ça du début à la fin, quoi. Chevalier raté, le premier, ok. Je sais plus. Je vous cache pas, quand je regarde des vidéos maintenant ou sur le wiki, je vais toujours en anglais, je cherche pas en français. Je vous laisse, j'ai commencé à créer mes persos de Solasta, c'est d'un compliqué. Ah, il faut que j'y joue à Solasta à l'occasion, peut-être pas en stream, mais je l'ai sur le Game Pass, faut vraiment que je m'en occupe quoi. Eh bien écoute, j'allais dire bon live, bon jeu, bonne création de perso. Et oui, amuse-toi bien. À peut-être faire une création de perso aussi en jeu de rôle papier dans quelques temps, parce qu'on a notre MJ à Changelin qui nous a proposé de faire une campagne où on va jouer, donc pas des Changelins mais vraiment des fées. Et en fait, je suis partie dans un délire et je crois qu'il y a un des autres joueurs qui serait plutôt intéressé aussi de faire des... une troupe de mercenaires chi sur le thème de voilà les frelons ou les guêpes, leur monter sur des créatures chimériques en forme de guêpes avec des masques de guêpes et tout. Et je suis partie dans un délire sur ça, à la base c'était complètement débile. Puis après coup je me suis dit, ah, une troupe de mercenaires qui s'appelle les frelons, qui sont montés sur des frelons de combat géants, ah ça peut le faire quoi. Donc je sais pas, je me tâte. Je me garde cette idée parce que ça pourrait être très fun à jouer quoi. Alors chevalier au début du jeu c'est faux chevalier, ouais ok d'accord. C'est vrai que ça me dit plus quelque chose. Loudès, tu me mets le doute. Mais on se met tous le doute, c'est horrible avec cette traduction. C'est terrible. Qu'est-ce que me dire? J'ai vu sur la tablette de la salle des dieux dans l'esprit de la chercheuse de dieux, c'est bien faux chevalier. D'accord.
Donc faux chevalier et champion raté. Parce qu'en anglais, je sais que c'est false knight et failed champion. Ça, je me souviens bien. Bah écoutez, on verra quand on ira. En tout cas, pour dans le journal du chasseur, ça devrait me dire quelque chose. Vu que l'autre, je l'ai pas encore battu, donc dans cette game. On va essayer de pas le cheese avec le cristal d'âge, hein. Tant pis si ça me prend 15 essais, mais... Histoire de faire quand même les choses correctement, parce que ma première game du Hollow Knight, c'était... Je l'ai battu, mais enfin, c'était tellement lamentable. C'est vraiment la technique de la lâcheté ultime, quoi. Ah! Attendez que je le retrouve. Ah, vous allez me dire s'il marche? Parce que j'ai réparé mon intégration Stream Deck et Voice Mode. Donc c'est 5 minutes à l'hélium. Voilà, ça marche. Yes, donc vous allez supporter comme ça jusqu'à 10h39. Champion raté, je vois sur la tablette de la salle des dieux. Ok. Donc faux chevalier, champion raté. D'accord. J'ai aucune idée de comment ça sonne à vos oreilles, hein, cette histoire d'hélium. Je pense que je vais regarder ça au replay juste pour rigoler un coup après le stream. Alors sachant que là je parle normalement, hein, je fais pas exprès de prendre une petite voix aiguë comme je suis en train de le faire là maintenant. Donc je ne sais pas si on entend une différence entre ma voix normale là à l'instant et la petite voix avant. Non, chipmunk, chipmunk. C'est ça. Alors après, j'ai pas mis toutes les voix disponibles dans Voice Mode non plus, hein, parce que faut pas déconner, il y en a beaucoup. Mais... Je me dis, ça peut être sympa. Par contre, quand je lance le combat, c'est chevalier méprisé. Je sais plus quoi dire avec cette prod, je sais plus. De toute façon, qu'on soit bien d'accord, la seule raison pour laquelle je joue à Hollow Knight en français, c'est parce que je le fais en stream. Hein. Quand je lance une partie de mon côté en solo, je le mets en anglais, parce que la traduction... J'ai beaucoup de mal à... En fait, si j'ai un jeu, un bouquin, un film, peu importe, si la VO est en anglais, il faut que j'utilise la VO, quoi. Un chipmunk ou un témoin anonyme? Ah ouais, enfin pas tellement anonyme, vu qu'on voit ma gueule. Je suis pas centrée, j'en ai marre! Je sais pas quoi faire avec cette cam. Je me tape d'ailleurs pour essayer de monter mon téléphone en caméra secondaire pour... genre si un jour je veux faire du dessin trad ou je sais pas, du Lego ou des trucs comme ça. Dans la tablette de la salle des dieux, champion raté, quand j'en sens le combat, chevalier méprisé, mais cette traduction pourquoi? Oui, c'est ça. Il y a des détails qui déclinent dans la traduction. Ouais, et il y a toujours cette histoire de... a priori, c'est que rester en France dans la trad française de Hornet quand on la rencontre la première fois à Verchemin. Qui dit un truc du genre « je n'ai que trop tardé à revenir ici ». Et je pense que ici, ça fait pas allusion à Verchemin spécifiquement, c'est à l'Honest, quoi. Et des détails passés à la trappe, il me semble que ça, dans les dialogues notamment de la Dame Blanche, ouais, il y a des choses passées à la trappe. C'est... Parce qu'en anglais, j'ai déjà vu ça, alors en vidéo, enfin, genre sur YouTube. En anglais, je crois... Il y a un truc où elle dit explicitement que elle est pas emprisonnée, en fait elle s'est restreinte là où elle est maintenant pour pas voir d'autres gamins, un truc comme ça. Il y a aussi tyran des âmes alors qu'en combat c'est tyran de l'âme. Ah ouais, ça c'est sa version rêve par contre. On disait quoi hier, que le maître slash tyran de l'âme, il a quelque chose de très nietzschéen, tout ça. C'est... Ah, c'est vrai que ça peut être super intéressant d'analyser, quoi. Ils étaient pas d'accord entre eux à la trad. Mais en fait, c'est ça, Fantasy. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est deux ou trois traducteurs différents qui ont bossé dessus. Chacun a fait son bout de fichier, chacun a envoyé son bout de fichier au final. Et ils sont pas coordonnés sur, tel boss, on lui donne tel nom et on garde ce nom-là, quoi. C'est... Mais c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Suffit que vous faites traduire un truc par un traducteur, après, je sais pas, vous avez besoin de faire traduire la suite plus tard et le premier traducteur est pas dispo, donc vous en embauchez un autre. Donc, Ah, je vais chercher ça cette semaine. Je vous encourage à passer le samedi soir chez Monsieur Plop le Vrai, parce qu'il nous fait en ce moment une analyse de Hollow Knight, l'histoire, les personnages, etc. Mais dans les aspects plus philosophiques, justement.
Donc voilà, quel peut être le sens et c'est vrai qu'il y a des choses hyper intéressantes du style l'ancien qui dit à la base peut-être que les rêves ne sont pas une si bonne chose, mais si vous lui offrez la fleur fragile, il commence à dire peut-être que les rêves sont une bonne chose finalement, et que c'est un peu le prélude à est-ce qu'il va accepter l'infection, ce genre de truc. Et c'est quand on y pense, et puis tous les aspects sur l'analyse de la musique, je suis en train de parler de choses sérieuses avec cette espèce de voix de chipmunk, ça va faire super, super bizarre quoi. On sait jamais comment les traductions sont passées, ouais. Et... Ah, je sais parce que j'avais coordonné une petite équipe de traducteurs à distance comme il y a 15 ans quoi, facile, 15-20 ans. Et il y avait. Ah ben c'était. Bah voilà, on leur donnait les textes et nous ils nous renvoyaient les fichiers. Donc là ça va, on avait un traducteur par langue, donc c'était la même personne. Mais je peux imaginer assez facilement comment ça peut déraper quoi. Bah oui, mais dis pas merci, c'est normal. Puis on lui fait si, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est l'appli qui fait. Ok, je crois que c'est la fin des 5 minutes de Chipmunk. Donc je vais juste décaler ça. Mais j'espère que ça vous a bien fait rire. Je pense qu'au replay, je vais bien me marrer. Donc c'est à quand à peu près 35-40 minutes. Oula, 35-40 minutes de live, je vais peut-être lancer le jeu tout doucement. Et il est beau le jeu, on est d'accord, il est beau. Alors je vous cache pas, j'y joue un petit peu moins souvent en ce moment. Mais c'est normal, hein, au bout de 4-5 mois sur le même jeu. À un moment donné, je vais... ça va faire comme ça, et après je vais nous voir peut-être dans 4 mois, je vais tryhard à fond, des trucs comme ça quoi. C'est fini. hélas, si t'as encore 5000 points, tu le fais péter quoi. Le jeu est beau, Star Citizen. Hollow Knight. Mais Star Citizen aussi est beau. C'était incroyable. Star Citizen, par contre, je vous avoue que oui, j'ai un compte, j'ai un vaisseau. J'avais gagné un starter pack, mais j'y ai très très peu joué et... je sais pas. Ça m'enjaille pas plus que ça pour y jouer moi-même. Regarder des gens y jouer, c'est cool, mais y jouer moi-même, j'ai pas trop envie, bizarrement. Bonne jeunesse, Naofae. Coucou, Chupa. Est-ce que je t'ai dit coucou? Donc je te dis bonjour si jamais j'ai zappé il y a 30 secondes, parce que j'ai pas de cerveau. Et merci. Aller voir les courts métrages du même artiste qui sont trop cool. Ah oui, et puis comment il s'appelait le jeu que t'as le précurseur de Hollow Knight là, Hungry Knight. Je suis pas allé chercher le lien, mais venez, on part pour une heure de discussion sans chouer, c'est bien parti pour quoi. Mais voyez là, on parle de choses positives. Enfin, si on veut, on parle de Hollow Knight. Viens, je vais chercher du pain. Eh ben écoute, j'allais dire amuse-toi bien à chercher du pain, ben, j'espère que tu trouveras du bon pain. Ici, j'ai pas de vraie bonne boulangerie dans le quartier, ça par contre, ça me saoule quoi. J'ai le supermarché, mais c'est le pain industriel, c'est carrément pas le pain du boulanger, on est d'accord. Hungry Nut, ouais, c'est ça. C'est ça. Qui a l'air, effectivement, faudra que j'essaye. Après, je sais pas si Hollow Knight c'est un sujet positif, c'est un peu ça, mais on va dire, là on parle des jeux vidéo, c'est... Mais en même temps, dans les jeux, il y a très souvent des trucs négatifs, hein, dire déjà, ne serait-ce que le concept du personnage qui perd sa vie, et qui, enfin, bah, le personnage meurt, quoi, quelque part, même s'il revient ensuite. Puis c'est souvent des trucs, voilà, le royaume en déchéance, il faut le sauver, il faut combattre des démons qui détruisent le monde... c'est assez rare quand même que vous avez des jeux qui sont hyper pipou, gentils, avec des thèmes tout gentils. Enfin, il y en a évidemment, mais il y a beaucoup quand même souvent, je veux dire, des Metroidvania avec des thèmes gentils, où il n'y a pas une histoire de monstres à abattre, de royaume à sauver, de royaume qui se fait dévaster ou des trucs comme ça. Je pense que selon les genres de jeux, ça se prête plus à certaines choses qu'à d'autres. Pas tous les jeux sont comme ça, et heureusement. Ah oui, tout à fait. Voilà, Animal Crossing, je pense... Oui, voilà, Animal Crossing est un bon exemple. Mais c'est pas un Metroidvania. Un Metroidvania pipou, il y aura Witchcrafty qui va sortir. Ah, tu m'intéresses, là. Parce que j'aime bien les trucs un petit peu pipou aussi. Alors, Witchcrafty... il est pas dans ma wishlist. Mais on va le mettre dans la wishlist, là. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas du coming soon à la Silksong, c'est-à-dire dans 4 ans.
coucou Azaïla et merci, merci. J'ai rien prévu, hein. Je le fête pas en stream ou autre chose, parce que je vous avoue que cette année ça me déprime un peu l'anniversaire. Donc j'ai préféré pas trop m'engager sur quelque chose que je risquais de regretter. Mais peut-être l'an prochain, qui sait. Techniquement, il y a des sujets très lourds, mais comme a dit Nao, ça permet de mettre des mots et réfléchir sur des sujets dits négatifs qui permettent d'évacuer positivement. C'est ça, c'est la catharsis. C'est le principe de la catharsis, c'est de... à la base, hein, si je me trompe pas, au niveau des tragédies grecques, c'était de faire vivre aux spectateurs des choses très lourdes, des gens qui meurent, qui se suicident après avoir tué 40 autres personnes, des trucs comme ça, de façon à évacuer leurs passions négatives. Et c'est vrai que ça marche, quoi. Et tu te défoules sur un truc et après tu te sens un peu plus léger, quoi. J'aime pas quand c'est beaucoup trop pipou. Ouais. Je vous rassure, je vais pas jouer à des jeux genre les bisounours ou bien Barbie. Hein. Faut pas déconner non plus. Si c'est trop rose. Par contre, il y en a un aussi qu'il faudra que je tente à l'occasion, c'est Chicory, qui a l'air assez fun. Dans la mythologie, il y a du sexe aussi. Coucou Zeus, elle me dit. Oh non, mais Zeus. Zeus, sérieux, c'est. Tu peux pas la garder, tu peux pas garder ta petite sous ton pagne 5 minutes, non t'es. Puis quand on y pense, pareil, la mythologie grecque, on fait ah, Zeus qui se transforme en pluie d'or, machin et tout. Ouais, pour séduire une mortelle, c'est pour violer une mortelle, ouais, quand on y pense. Mythologie, c'est sexland, mais trop. C'est ça, c'est assez marrant quand on compare la mythologie grecque, enfin gréco-romaine, on va dire, parce que c'est un peu les. Souvent les mêmes dieux avec des noms différents. Et à côté, tout le côté judéo-chrétien qui est complètement pas la même chose, quoi, au niveau des mythes fondateurs. Je veux dire, enfin, je parle de mythes fondateurs, la Genèse, pour moi, c'est un mythe fondateur, on est d'accord. Ça rentre dans la même catégorie. Alors, la mythologie grecque, c'est... Ah là là, ah, mais c'est le bésodrome, hein. Je sais plus où j'avais trouvé ce diagramme de qu'est-ce qui cause des catastrophes dans la mythologie grecque, vous savez, le truc, le cercle, avec un petit bout du camembert, c'était, je sais pas, la guerre de Troie, et puis tout le reste, c'était Zeus, à part Zeus qui a baisé une mortelle, quoi. Zeus, j'ai fait l'amour avec 8 femmes, c'est pas assez. Ah non, non, et plus que 8, hein. Non, non, 8, c'était juste sur la journée, hein. C'était pas sur des millénaires. Ouais, mais il y a des choses intéressantes dans la mythologie au niveau... Alors j'ai lu un bouquin il y a quelques semaines où c'était la présence des femmes dans la mythologie grecque. Alors des femmes, je pense, voilà, Pasiphae, Méduse, Médée, ce genre de Pandore. Parce que souvent elles sont présentées sous un jour, je veux dire, on pense à Pandore... Avec oui, elle a pas résisté à la curiosité, elle a ouvert la boîte et tous les maux du monde s'en sont échappés, il n'y restait que l'espoir au fond. Alors déjà, c'était pas une boîte, c'était un pitos, c'était une espèce de jarre qui fait 1 mètre de haut. Donc je sais pas d'où est venue l'histoire de la boîte, mais c'était sans doute plus facile à peindre qu'une jarre. Et pareil, Pandore à la base, c'était le cadeau des dieux, il y avait absolument aucun concept de curiosité mal placée ou autre chose, c'était celle qui apporte tous les dons, en fait. Pandoros, je crois que c'est ça, hein, c'est tous les dons, tous les cadeaux. Bon, alors, évidemment, oui, les dieux l'avaient créé pour tromper, comment il s'appelle, Épiméthée. Mais Pandore elle-même n'était pas une figure, on va dire, mauvaise. Mon téléphone gère mal la connexion du coup, et message c'était coucou tout le monde et ça va. Donc oui, coucou Azaïla, rassure-moi, je t'ai dit bonjour, il me semble. Hein. Parce que je suis un peu. J'ai le cerveau qui est un peu éclaté cette semaine. Et puis ben ça va, mais moi je suis fatiguée, quoi. Là le boulot c'était. En fait j'avais quasiment tous les jours, j'avais des conférences call de genre 2-3 heures, donc c'est beaucoup de concentration. C'était des problèmes un peu complexes à gérer. Vendredi, j'ai dû faire une synchro avec les USA, du coup forcément le temps que en Californie ils arrivent en ligne, bah il est 6-7 heures du soir, quoi, donc voilà. Ah, je t'ai dit bonjour, ouf. Coucou Chocopirate, ça y est, je t'ai dit bonjour aussi, je t'ai pas raté. Voilà, je dis coucou à Chocopirate. Mot de patate, mais ok. Mot de patate. C'est mot de patate, bonjour, je suis en purée, j'ai le cerveau en purée, c'est ça. Alors, Hera, je l'aime vraiment pas, la mère d'Hermès. Hera, ouais, Hera, elle a ce côté, elle est trop souvent présentée comme c'est juste l'épouse jalouse qui fout la grouille dès que Zeus il la trompe, quoi. Quelque part, on peut comprendre. Mythologie grecque, l'histoire que je préfère, c'est celle d'Hermès et Aphrodite.
Ouais, et puis pareil, Aphrodite et Arès, tout ça, quoi. Juste l'énergie d'un sac à patates. C'est un peu pareil. C'est, ah, je vous avoue, ce matin, j'étais là, je fais... Ah mince, j'ai stream dans une demi-heure. Oh, faut que je me réveille. Coucou et joyeux anniversaire, merci Sugar Pirate. Ah zut, ils s'en sont rappelés, ils s'en rappellent tous, zut. Bon, en même temps, j'ai un peu laissé échapper ça mardi, c'est un peu ma faute. Seigneur, monsieur Pleu vrai, le vrai de vrai, oui. On va vraiment faire une entente, c'est parti. Non, allez, je vais lancer le jeu tout doucement parce que... Sinon, je vais pas commencer. Je m'en rappelais plus. Non, mais c'était sur le Discord de Crystal ce matin, mais j'en ai pas trop parlé parce que, comme dit, ça me déprime un peu, donc... J'ai donné l'info, il se peut que l'info ait circulé. Ouais, c'était pas exprès, ça m'a échappé. J'avais pas prévu à la base de donner l'info. Attendez. Je coupe la radio, sinon ça va faire chelou. C'est ma deuxième partie, du coup. Hein. J'étais à Verchemin, je sais plus pourquoi. Ah, parce que j'ai trucs que j'ai zappé à Verchemin, non, j'avais fait des pipous, il me semble. Tu t'en rappelais plus, c'est pas grave, Fantasy, c'est pas grave. D'ailleurs, moi ce matin, je me suis réveillée, j'avais un mail de LDLC qui me disait joyeux anniversaire. J'ai fait ah ouais, merde, il y a ça. Ouais, je change de scène deux secondes, mais il faut que je remette la capture de jeu qui saute à chaque fois. Hollow Knight. Elle a sauté une fois quand j'ai mis le jeu en pause, et depuis, c'est plus jamais pareil. J'essaye de me centrer à peu près, mais c'est pas évident. Vous voyez, parce que j'ai une espèce de... J'ai une lampe LED derrière. Donc si je tourne trop, ça vous pète un peu à la gueule, non? Ça va comme ça ou ça vous pète à la face, l'espèce de néon rouge? Enfin, je dis néon. Indice de la chèvre. Ah, ça m'a fait marrer. Quand l'autre fois, je jouais un petit peu à Genshin... Et il y avait comme le perso, la Chichi, qui vous demande de chercher une coco-chèvre. Qui est le truc que personne trouve. Et en fait, parce qu'elle voulait du lait de coco. La gamine qui avait rien capté, quoi. Bon, en même temps, c'est une zombie, si j'ai bien compris. Donc elle a la mémoire qui flanche. Putain, qui se fout de la charité. Pour la scène, tu veux dire? Ok, alors donc les pipous, j'avais fait... Donc normalement là, j'avais tout récupéré à Verchemin. Le charme d'Oun, est-ce que je l'avais récupéré? Je crois. Hein. Ah. Je ne sais plus. Comment il s'appelle de nouveau? Ah mais non, attendez, je l'ai pas. Je ne l'ai pas, je vais peut-être aller récupérer maintenant qu'on est là. Oh. Et je crois que j'étais partie sur les flammes parce que j'ai bébé Grimm avec moi. Donc, on va pouvoir aller choper ça. Sinon, je vais continuer à les zapper. Bah évidemment, Lac Dune, il faut que je remonte. Mais, oh, attendez, on est d'accord, je ne l'ai pas le charme Dune sur cette partie. Normalement, il est plus bas dans la liste. Il doit être... Il doit être quelque part ici. Ouais. Hein. Alors j'essaie de me rappeler comment qu'on joue. Ah oui, c'est vrai que lui maintenant il attaque. C'est vrai qu'il y a ça. Ah, j'ai pu sauter. Non, je l'ai pas effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Je vais aller récupérer parce que sinon je vais continuer de l'oublier. Donc il faut que j'aille à... Je sais plus sauter. Coucou Shadow Wonder. Ah oui, faut pas que je bute ça aussi. Comment ça va? Ouais, toi tu m'avais dit... T'es sur une connexion 4G qui est pas forcément super solide là en été, donc... Oh là là. Bon courage, ouais, pour reprendre ça en main, c'est... Je sais plus ceux-là s'il fallait que j'en bute encore quelques-uns. Bah bon, comme ça c'est fait au passage. Ah bah voilà, ça c'est fait. J'ai pas le charme des géos, c'est ça. Je vais me lever de mon lit et faire un petit déjeuner. Ah bah écoute, bon petit déjeuner. Salut tout le monde, à très vite, bah mange bien.
Pas de petit déjeuner, c'est cool. Ouais, ça va être plus simple de passer par là-bas. On va éviter de se coltiner des pointes. J'ai fait la deuxième dose du vaccin hier, donc je suis un peu claquée, mais ça va. Ah ouais. Bah écoute, j'espère que ça va, pas être plus que ça. Qu'est-ce que je fais, moi? Effectivement, on est d'accord, j'ai pas mis le charme des JO parce que j'ai le charme de Baba Grimm. Mais... ouais, si j'ai le charme, c'est que j'étais partie pour les flammes. Bah, regardez-moi cette queue. Sérieux? Quand je vous dis que j'ai pas joué depuis une semaine, ça se sent, hein. Allez. On va lui faire payer pour toutes les autres plantes. Je récupérais un bout de banc parce qu'on sait jamais. Tu fais toujours bien sur mon stream, oh c'est gentil. En fait c'est parce que t'arrives pas tout au début quand on fait les discussions sur la mort et le suicide et les trucs un peu dark. Coucou Brochoco. Bah oui, il y a Brochoco qui est là, c'est vrai Chouba, c'est vrai. La team des CH qui arrive. Et toujours pas le bouclier éthéré. Toujours pas le bouclier. Mais c'est vrai ça? Il est où de nouveau celui-là? Est-ce que quelqu'un se rappelle où est le bouclier éthéré? Ouais, c'est par là. Là, parce que dans l'autre game je l'ai récupéré, je ne sais plus dans quelles conditions. Me recueillir sur la tombe de... on connaîtra jamais son nom. Tout à droite de la map. Ouais, au repos éternel, ouais. Ah, est-ce que c'était pas... est-ce que j'aurais oublié... est-ce que... alors, attendez. Est-ce que c'est la voyante qui me le donne? Ou est-ce que c'est le charme qui est dans une des salles et que du coup, j'ai complètement zappé d'aller dans cette salle? Parce que... contre un esprit... je me souviens. Je me souviens plus dans une des salles, mais je crois elle est cachée. Ok, ouais, bah attendez, je vais finir ça et puis je vais aller voir. Hein. Pauvre Alouba. La première fois, j'ai senti le sol qui tremblait, je me suis barré, tout le monde m'a dit « Mais non, reviens en arrière, reviens en arrière !» Et oh, il y avait un charme. C'est vrai que c'est tranquillou là-dedans. Enfin, pour l'instant. Non, mais en vrai, je crois qu'effectivement, c'est tranquille. Il n'y a pas de... de mob ou quoi que ce soit ici. Hein. Oui, il y a de l'acide, mais enfin... bon. Ça, c'est pas... trouver, ce que Go me dit, trouver derrière un mur effrité dans le repos éternel en dessous de la pièce de la voyante. D'accord. Voilà, et là, je m'étais barré. Et du coup, j'avais pas vu ça. Bloop. Bloop. Merci. Merci, Oun. Au revoir, Oun. Voilà, ça c'est fait. Et on va pouvoir remonter. Allez, pour la forme, je vais débloquer là-bas. En vrai, je pourrais peut-être utiliser le portail, mais bon. Va conserver les essences. Parce que je suis plus très loin des 1800, hein. Ah bah voilà, maintenant je sais pourquoi j'avais pas prévu de faire le palais aujourd'hui, parce que j'ai pas encore les 1800. Voilà. Je dois être pas très loin, je suis 1768, voilà. Donc on va accumuler les essences. Qui sait, à force de buter des ennemis, peut-être que je vais même les avoir sans avoir à faire un boss. Hein. Mais c'était quand la fois où je me suis chopé un Alouba en pensant que ça faisait partie du décor, en fait, non.
belle musique. Du coup, on avait discuté hier soir des trucs qui étaient infectés. C'était pas les menthes. J'ai un bout de conversation en tête et je sais plus à quoi ça faisait allusion. Bon, tant pis. Pom pom. On va retourner au collier, on va aller au repos chercher ce charme parce que, après tout, ce serait bête. Pom. J'ai glissé avec mon aiguille. Les menthes avec le thé vert. Ouais. Les mentalos. Lol. Alors, repos éternel. Me dites quand même pas que j'ai raté cette salle. Genre le repos éternel, c'est un des trucs que j'ai débloqué encore plus tôt que la fois précédente. Je suis exprès avant d'aller à la cité. Avant de faire le sanctuaire de l'âme. Ouais, non, mais même avant la cité. Avant la cité des larmes, j'étais allée au Mont Cristal juste pour ouvrir le repos éternel. Il doit y avoir un truc... C'est pas tout simplement là. Bah voilà. J'ai persuadé d'avoir récupéré ça, il y a des plombes déjà. Mais comme je l'utilise pas beaucoup ce bouclier, ben... bon, ben... petite flamme. Je viens de faire tomber mon téléphone ultra-violemment sur le sol, aucune fissure. Ouais, faut faire attention avec ces trucs. Hein. Ah bah voilà, parfait. On va aller se friter la flamme, tant qu'à faire. Donc on est d'accord, cette fois Grim, on le bannit pas. Hein. Va falloir que je me fasse... que je découvre Grim, roi des cauchemars. Bon, techniquement, je connais déjà, mais... on n'en voit pas, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Parce que, ouais, ce genre de choses, chute ou dégâts liquides, ou bris de... d'écran, c'est pas pris en charge par les garanties, si jamais c'est encore en garantie pour ton téléphone. Je crois que ça va être là en dessous. C'est ça, c'est tu peux peut-être pas visible, mais tu peux. C'est peut-être pas visible, mais tu peux la mocher, fais gaffe. Si tu le bannis sans faire exprès, je t'explose la tête. Oh là là, cette violence tout de suite. Non, non, je vais pas le bannir. Bonjour, j'ai pas de réflexe. Ok. Faut juste que je me rappelle cela. Il y a des boubous là, il faut forcément que je me les tape. Attendez, il n'y a pas un petit peu d'âme ici que je peux aller récupérer? Ça serve un peu. Voilà. Je vais rester là, c'est pépouze. Ok. Voilà. Retrouver un peu de réflexe, ça peut être cool. Hein. Ah, je crois que je l'ai raté. Hein. Merci le Grim Child d'aider un petit peu. Et je crois que le Yenorin, ce sera au... comment ça s'appelle? Aux falaises. C'était pas ce que je comptais faire, mais c'est pas grave. C'est surtout le troisième niveau de flamme qui va être un peu chiantos, ça. Je crois qu'on a un follow, donc merci pour ton follow. J'espère que ce soit pas un bot. Si vous êtes pas des bots, n'hésitez pas à dire bonjour dans le chat, hein, juste pour qu'on sache que vous êtes bien des êtres humains. Donc Allison Sonner, c'est ça? Peut-être que je fasse gaffe à ce que je fais. Et ça a l'air d'être un vrai follow parce que Wisebot l'a marqué alors que normalement il le... ah, quoique non en fait. Ah, je sais pas. Pas un bot. Yes, bienvenue à toi. Non, je suis désolée, c'est avec toutes ces histoires de bots sur Twitch là depuis 2-3 semaines qui sont vraiment vraiment super lourdingues. Et en fait, ben, c'est un truc en fait quand on clique sur le nom et qu'on va sur la page bio de la personne, il y a...
ils abusent une des extensions de panel pour récupérer l'adresse IP, des trucs comme ça, et puis potentiellement après vous des DOS, enfin des trucs un peu à la noix. Donc en tout cas, eh ben, bienvenue à toi. Coucou le bot avec des potes. Bienvenue à toi. Je ne sais pas si tu connais Hollow Knight, donc si tu connais pas, n'hésite pas à poser des questions, même si ça risque d'être un petit peu spoil pour certains trucs. Je déteste les rires des trucs de Grimm, moi aussi. C'est pareil, si t'es pas un bot, manifeste-toi maintenant ou t'es banni dans 15 secondes. Non, non, je bannis pas, mais c'est juste... C'est pour éviter de... Ah, salut machin, comment ça va? Comment t'as découvert le stream? Parle-nous un peu de toi. Et en fait, c'est juste un bot, quoi. Mais bon, les vraies personnes sont bien entendu toujours les bienvenues ici. Alors ici, c'est aussi le stream du no-skill. Hein. C'est, je me vautre, j'ai pas joué au jeu depuis une semaine, j'ai perdu la main, comme à chaque fois. Mais c'est pas grave, on essaye d'en rigoler plutôt que d'en pleurer. Anap34, coucou à toi, comment vas-tu? Je crois que t'es... Ben, je t'ai pas vu sur le stream encore, donc bienvenue à toi. Ton nom, en tout cas, ne me dit rien. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes. Je préfère bannir, ça évite aux autres de cliquer malencontreusement dessus. Ouais, ouais, effectivement. De façon générale, quand la personne ne parle... Mais de toute façon, le truc, c'est que le bot, s'il parle pas dans le chat, on voit normalement pas son nom. Et je crois qu'avec Wisebot, on peut pas cliquer dessus, c'est juste du texte. Donc, mais c'est vrai que maintenant, tout le monde commence un peu à savoir, donc ça va encore, quoi. Merci. Oui, je connais Hollow Knight, j'ai fini l'histoire et je suis sur le Colisée Grimm. Et grâce à toi, j'ai remarqué que j'avais zappé un charme au repos éternel. Ah, bah écoute, tant mieux. Alors moi c'est ma deuxième partie parce que j'ai une autre game où je suis à 109%. Et celle-là, je l'ai faite pour me détendre un petit peu entre le tryhard, Panthéon, Colisée 3, etc. Et du coup, là, j'étais, bah, on m'a fait aussi, ah, t'as pas ce charme. J'ai fait quoi? Et j'avais complètement zappé, j'étais persuadée de l'avoir déjà pris parce que le repos éternel, mais dans cette game, je l'ai fait quasi dès le début, quoi. C'est un ami qui m'a dit de te regarder tant qu'il est pas là, d'accord. C'est quelqu'un qui... Bah oui, ça a priori, bah, n'hésite pas à nous dire qui c'est, si c'est quelqu'un qui est déjà... qui se manifeste régulièrement. On en a aussi parlé pendant... En sans jouer. Je peux montrer mes charmes? Ouais, attendez, je montre mes... Non. Je vous montre mes charmes. Il m'en manque pas beaucoup, hein. Ça, c'est celui de quand j'aurai toutes les larves. Est-ce que j'ai fait toutes les larves? Je sais plus. Faut que je fasse la ruche. Ça, c'est les larves. Ça, c'est le charme de la ruche. Et ça, c'est celui quand j'aurai fait le truc dans l'abysse avec les... ben, les trucs de life bleu. Ah, Alzako, ouais, ouais, je connais. Ça fait un moment que je peux passer chez lui, d'ailleurs. Il faut que je passe. J'ai pas regardé beaucoup stream cette semaine, d'ailleurs. Je suis désolée. Pareil, Fantasy, Chuba, tous ceux qui stream aussi. J'étais cette semaine, c'était... C'était bizarre. Donc, ouais, il me manque ces trois charmes. Et bien évidemment, celui-là qui est pas complété encore, quoi. Mais oui, il faut que je repasse chez Alzako parce que je sais qu'il fait du Euro Truck Simulator. J'aime bien regarder Euro Truck Simulator, c'est tranquille. C'est... Parce que j'aime bien conduire en vrai, mais ici, vu là où j'habite, j'ai pas besoin de voiture donc j'en ai pas. Donc je conduis pas très souvent en ce moment, quoi. Je joue à quoi d'autre? Alors en ce moment, le mardi, je fais du Dead Cells et le vendredi, je fais du Planet Zoo. Et j'essaye de caser également un peu de Slime Rancher quand j'ai... Quand j'ai des créneaux de libre, mais ouais, je fais 4 jeux alors que j'ai que 3 créneaux fixes. C'est un peu problématique. Voilà, passe du roi, donc on va aller à Dirtmouth. Ah, t'aimes bien Planet Zoo aussi? Bah, c'est cool. Ouais, c'est bien, c'est tranquille, pépouze. Ça change, en fait. Parce que là, jusqu'à présent, au stream, je fais principalement des trucs genre du Metroidvania, des roguelike. C'est pas forcément les jeux pour lesquels j'ai des talents naturels, on va dire. J'ai une invitée d'honneur cette semaine, donc j'ai pas de live pour le moment. Ah bah oui, il faut s'occuper de ses invités, c'est vrai. Toujours bien s'occuper de ses invités, tu as raison. C'est quand tu as dit le vendredi? J'ai pas trop entendu, ça va bugger pile à ce moment. Le vendredi soir. Le vendredi, je fais Planet Zoo. Mardi et vendredi, je stream à 19h et le dimanche à 10h le matin. Alors, non, j'ai skippé vendredi dernier par contre, donc cherche pas de replay, enfin vendredi il y a 2 jours, parce que j'ai fini trop tard au boulot et après j'avais plus l'énergie. Slime Rancher, j'aime aussi. Ouais, 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 mais c'est sympa Slime Rancher. C'est un peu entre les deux, je dirais, c'est pas aussi pépouce que Planet Zoo. Quoique.
Voilà, il met un petit côté FPS, mais FPS tranquille, quoi, donc ça va. Ah, je dis Planet Zoo, c'était pas Pépouze la dernière fois, hein, parce qu'il y a eu des choses. Attention, il y a les panthères des neiges qui se sont agressées. On a mis un zoo dans l'enclos des ours polaires et il s'est fait bouffer. Alors, c'était pour la science. Le chat a insisté. Où est-ce qu'il est, lui? Il faut que je descende. Je crois. Je crois que c'est tout en bas. Oh, un tic-tic. Oh, j'ai pas marché dessus, ça me surprend. Le petit picot. C'est pas ici? Ah non, c'est... Attendez. Elle est où, la flamme? Pff. On a mis un zoo dans l'enclos des ours polaires, c'est possible. J'ai dit un zoo. Un phoque? J'ai dit un zoo? C'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quoi, j'ai l'impression que... J'ai dit zoo, d'accord. Bon, bah... Ah, voilà. Ok. Ah, juste essayer, ils sont un petit peu saoulants, ceux-là. Donc je vais essayer de pas trop... De pas trop merder. Ah, je l'ai raté. J'ai tapé le mur. Voilà, j'ai pas vraiment de bons réflexes. Hélas. Mais ça va revenir. Ils foncent? Non, ils foncent pas. Ils sont un peu embêtants, eux. Bon, j'ai mis un coup de boule, mais ça marchait quand même. Non, je l'ai raté, hein. Je suis passé au travers. Allez, viens là! Viens là, le méchant. Puis après, je vous rattrape le chat. C'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà. Ok, deuxième flamme. Fallait mettre une loutre, ça allait plus vite. Ouais, mais ils avaient moins à manger. Mais c'était hallucinant, hein. Il y a le phoque, il a fait tout le tour comme ça, genre pour échapper aux ours. Puis des ours l'ont capté. Et pouf, deux secondes après, c'était fini. Et puis après, j'ai regardé, il y avait un squelette. C'était ignoble. C'était ignoble. Donc, comment il s'appelait? Walcott. Il y avait une petite pierre tombale ou RIP Walcott, je crois. Je sais plus où c'était. Mais c'était triste, ouais. Après, j'avoue, c'était une expérience pour voir ce qui allait se passer, parce que je me disais, est-ce qu'il va se passer quelque chose? On m'a dit, ouais, il va se passer quelque chose, donc... J'ai tué le... Oh, purée. Oui. Alors, pour ceux qui savent, il y a un PNJ, à un moment donné, dans Hollow Knight, qui vous demande de... Ouais. Je vais récupérer ça pour la farm. Qui vous demande de le tuer avec son aiguillon, parce qu'il veut sentir la morsure de l'aiguillon dans sa chair. Et, je parlais avec le chat, puis à force de ratcher, ben... J'ai appuyé sur le bouton de lançage des sorts. Une expérience ratée, alors. Je sais pas où je suis. Ah, presque! Oui, j'avais pas besoin de prendre des masques bleus, on est d'accord. Rest in peace, Walcott. C'était Walcott, c'était bien ça. Alors... Il me restait une troisième flamme, elle est où celle-là? Il y a un pipou ici que j'ai oublié, où est-ce qu'il est le pipou? Est-ce que je vais pas aller récupérer le pipou au passage? Rush Shadow Wonder! Donc ouais, pour ceux qui sont arrivés, Anab et Allison. Je veux dire Allison, hein, vous me dites par contre si vous voulez pas que j'abrège les pseudos. Je vais autoriser ça. Ouais, donc j'avais dit ça, c'est ma deuxième partie. La première, je suis à 109%, donc j'ai quasiment tout fait à part les trois derniers Panthéons et le Colisée 3. Et dans l'autre partie, j'ai banni Grimm, donc ici, je vais faire Grimm ces deux versions, quoi. À chaque fois qu'elle met la caméra sur un animal, il chie. Mais ouais, mais il y a trois clips de ça, puis oui. À chaque fois, je veux regarder la caméra, je fais « Oh ouais, regardez, ils sont jolis, ils ont un beau poil. » Je fais un zoom sur les ours, et l'ours, il me démoule un cake, quoi. Je vais te laisser, c'était pour te faire un petit coucou et pour savoir ce que tu fais comme jeu. Prends soin de toi. Eh bien écoute, merci d'être passé. T'hésites pas à repasser quand tu veux.
Et puis, si t'es chez Alzako et que je n'y suis pas, bah fais-lui coucou de ma part. Hein. Ah, il a autant aimé ça. J'ai trop envie de jouer à HK, mais je peux pas. Pourquoi c'est banni, ça? De toute façon. Ce sera fait, merci. Ah ouais, t'as pas... toi, t'es quoi? T'es sur Switch, hein? Shadow Wonder? Je crois que t'es sur Switch aussi, comme Lunas. Il a un truc à me dire, lui. Entendu un cri perçant en provenance du puits. Il a fait écho dans mon esprit et m'a laissé tout étourdi. Je dirais qu'il s'agissait d'une bête féroce en train de mourir. Comme un présage, quelque chose s'est-il passé, petit voyageur? Bah, merci pour le follow, d'ailleurs. Oui, j'ai dit Lunas, toi t'as une Switch, et je demandais si Shadow Wonder avait une Switch aussi. Il me semble que oui, mais je pourrais me tromper. Non, ne me dis rien. Si des événements horribles se préparent, c'est probablement mieux que je ne sache rien. Ouais, j'ai tué mon grand frère. Enfin, mon grand sibling. Ça m'embête, en français, on n'a pas de terme neutre pour ça, c'est... Sly, j'avais tout acheté. Les cartes aussi, j'ai tout acheté. Est-ce que je vais aller peut-être chercher le pipou qui me manque avant de zapper? Et après, la troisième flamme, qui est c'était pas le repos qu'on a fait. Ah, voilà, c'est là. Elle va être un peu... Faudra que je fasse la ruche aussi. Mais d'abord, Grimm. Ah, ok. Ouais, saute aussi, il faut que je le fasse. Ah, oui. PS4, mais j'avais eu le jeu gratos avec l'abonnement en ligne, et vu que je l'ai plus, bah j'ai plus l'accès au jeu. Ah, d'accord, ouais. Si tu as un PC, il est aussi sur le Game Pass, mais pareil, c'est pas gratuit, quoi. Encore que... Attends. Laisse-moi vérifier un truc. Parce qu'il est en promo, je crois que c'est sur Humble Bundle. Tu peux l'avoir pour 5 balles, éventuellement. Il y avait un truc sur des Metroidvania. Je regarde, je vous mets le lien tant qu'à faire. Ouais, voilà. Pour pas très très cher. Donc si jamais ça peut... ça peut vous intéresser, que vous vouliez le jeu, mais que s'il est un peu trop cher pour vous, des choses comme ça. Comme ça. Je crois que c'est par là. Donc je dois acheter le jeu pour y rejouer. Bah c'est pour ça que je t'ai mis le lien. Il est... Enfin moi c'est à 5 balles, donc peut-être 7 euros. Pour la France, mais si ça peut aider. Mais non, casse-toi. Où est-ce qu'il est, ce pipou? Ah oui, il y a les kamikazes là-bas. Voilà. Comment j'ai jamais récupéré celui-là? À très souvent des grosses promos dessus, je l'ai acheté sur PS4 à 7 euros. Bah ouais, ouais, voilà, c'est... Même si techniquement, je veux dire, c'est... Il vaut bien ses 15 balles, ce jeu, largement, quoi. Je vais faire Ender Lilies ou pas, du coup? J'ai bien envie, ouais, il y a Ender Lilies et Grimm qui m'intéressent dans les deux cas. Bah, je vais choper les deux. Après, est-ce que je ferai les deux en stream? Je ne sais pas. Ah! J'ai glissé! Je sais pas où je vais. En vrai, je sais pas du tout où je fais. Je crois que j'étais partie pour remonter. 15 balles, mais je l'ai eu pour 24 balles. Quoi? Où est-ce que t'as payé 24 balles? Oui, je sais, j'ai un peu merdé sur... J'ai pas trop fait gaffe à mes masques, on va dire. Sur Switch, il a 24 balles? Ah ouais? Ok. Bon, après, moi je dis 15 balles, mais c'est vrai que pour moi c'est 15 livres. En euros, c'est peut-être plutôt 20. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Donc, on disait les stations du roi pour aller ici. Et il y aura la ruche à faire pour le dernier pipou qui traîne. Oh, est-ce que c'est le dernier pipou? Est-ce que ce serait le dernier pipou? J'ai l'impression. Bah ouais.
Eh bah ce sera le dernier, donc je pourrai avoir le dernier charme. Mais on va récupérer la flamme et puis on tente Grimm. Ouais, tu vas regarder sur ta play parce que tant qu'à faire, ça peut... ça peut être bien quoi. Station du roi. Pardon. Vers ça et puis après j'irai faire une toute petite pause de 2 minutes. Moi j'ai pas de chanson rigolote pour la pause, je suis désolée. C'est Monsieur Plop qui a une chanson rigolote pour la pause. C'est très fun. Je vous la chante pas parce que c'est pas la mienne, mais... Ouais. Ça sent, j'ai quand même envie de faire Grimm un tout petit peu. Bon, je pense que je me faisais maraver sur ces trucs au début parce que j'avais aucun réflexe de sauter, c'est vous dire, quoi. Ah, la mouche, elle est trop haute. Ça, c'est exactement comme la bise, ici. Quand vous voulez choper une plateforme, vous la chopez pas, et quand vous voulez pas la choper, ben, vous tombez toujours sur une plateforme. Alors, j'ai juste dégagé un peu le terrain. Elle est où, la flamme? Elle est pas en bas? Ah, elle est un peu plus haute. Ouais, on va nettoyer le terrain. Voilà, là je voulais la plateforme, et eh ben je l'ai raté. C'est moi, il y a de plus en plus de cendres qui tombent. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Il est où cette flamme? Mais elle est où? J'ai vraiment le souvenir qu'elle était tout en bas, mais en fait, non. Je vais souvent tomber des plateformes, donc je pense qu'on va juste... on va ouvrir, on va chercher la flamme et on va se mettre en bas, ça va être plus simple. Alors... Ah, voilà. Ça va, on dirait qu'il est en train de se préparer à chier un coup. J'ai vraiment réflexe zéro, hein, je vous avais prévenu. C'est... La fatigue de la semaine, elle est un peu... Mais arrête de me foncer dessus! T'as paumé la télécommande pour allumer la télé? Ah non, c'est pas cool ça. Ah, viens là. Sur ce terrain, j'ai un peu de mal, hein. Je pense que ça se voit. Ah! C'était quoi les probas pour que je me chope la boule? Ah, on va se mettre là. Non, toujours pas. Mais non. Merci bébé Grimm. Voilà. Ça revient tout doucement. Ou pas. 100%. 100% de quoi? Soigner avant de mourir bêtement. Je suis passé au travers ou je rêve? J'ai l'impression que je suis passé au travers avec mon aiguillon. Voilà. Ah, dis donc. 100% de proba. Oui, bah oui, oui. Ok, ben écoutez, ben maintenant on peut remonter tout doucement. Ah, j'ai la flemme de remonter. Je veux un coléo. Je pourrais me téléporter, je sais. Ouf, il y a un cadavre qui est tombé.
Ça, c'est toujours impressionnant, même si je sais qu'il y a des cadavres qui tombent ici et que c'est pas inhabituel et que je risque rien. Enfin, normalement. Mais ouais, les probabilités de se prendre des... De toute façon, les boules, c'est comme les boules des aspides. Je me les chope, mais tout le temps. Tu peux mettre un portail chez Grimm? Pourquoi? Enfin, je veux dire... ouais. Je suis en train de voir par rapport à la station du Coléo, qu'est-ce que ça changerait? Ou alors il y a un truc que j'ai zappé. Ah ouais, par contre, je pense que... Comme ça, quand t'as la dernière flamme et que c'est loin, tu te téléportes direct. Ah ouais, comme ça, ouais. Ben, je ferai ça pour après, parce que là, normalement, je les ai toutes. Enfin, pour je le ferai pour la version cauchemar, ok. Voilà, on va faire ça comme ça. Ah, par contre, je vous demande 2 minutes. Je vais juste faire une pause aux toilettes, parce que j'ai pas envie de commencer Grimm en ayant la vessie pleine. Et puis, je reviens tout de suite, hein. Et hop, je suis re-là. Juste pour la version cauchemar, ne va pas faire celui au nid profond, ça serait trop facile. Ah, à voir, hein. À voir. C'est vrai que le nid profond, c'est une flamme, mais je suis pas obligée, même si je vais au nid profond, je suis pas obligée de faire le bannissement après, quoi. J'ai juste le choix. Si j'aime bien les jeux FPS, sans plus. Pas plus que ça. Parce que, en fait, le problème aussi, c'est que... les FPS, faudrait que je les fasse au clavier, et puis moi j'ai du mal au clavier, mais les FPS à la manette spécifiquement, c'est un peu la merdouille. Donc je suis un peu... je sais jamais ce qui marche bien pour moi. Mais... Après, ouais... Qu'est-ce que j'ai fait en FPS? Pas grand-chose. Les trucs où il faut tirer sur des cibles mouvantes, en vrai je préfère faire ça en réalité virtuelle. Là par contre ça m'éclate, quoi. Mais juste avec le clavier, ça m'éclate moins, je sais pas pourquoi. On verra pour la version cauchemar, on verra comment... on verra comment je le sens. Niveau fatigue, j'entends. Je commencerai par 2 flammes normales et puis on verra pour nid profond si j'ai la flemme ou pas. En plus, c'est 4 flammes pour la version cauchemar. Tu dois en avoir que 3 sur nid profond, c'est pas drôle d'aller la chercher, ouais. Après, comme dit, moi, le truc, c'est que me rajouter du challenge, j'ai pas d'intérêt à le faire. Enfin, c'est-à-dire que... Je m'en fous un peu. Je cherche pas absolument à me rendre la tâche difficile au maximum sur ce jeu, parce que j'ai déjà assez de mal comme ça. Mais on verra selon humeur. Si tu veux Splitgate, c'est facile. Yes, et c'est très fun, je le conseille à tout le monde. Splitgate. Ok. Je note. Toujours aussi théâtral. Formidable. Formidable. Ceux de mon espèce arrivent. Le moment est venu. Le feu brûlant, il contient bien la promesse du rituel. Danse avec moi, mon ami. La foule s'impatiente. Montrez-leur que vous êtes digne d'un premier rôle. Merde. Peut-être que je me prépare.
Je me souviens plus de son pattern. Ah, j'aurais dû me charger en âme. Pattern. C'est pas grave. Zut, je suis du mauvais côté. Ah, raté. Bon, j'esquive beaucoup, mais peut-être que je le frappe à l'occasion, hein, qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, il y a ça maintenant. Voilà, va se soigner tout doucement. Okay. Ouais, désolé, c'est vrai que là, pour le coup, sur ce boss, je regarde pas trop le chat. Non. Pas me soigner. Attention, hein. On est d'accord sur Grim, roi des cauchemars, jamais de la vie, j'ai le temps de me soigner. Hein. Me demandez pas pourquoi je saute. J'ai un peu ce réflexe de sauter pour n'importe quoi. Ok. J'ai quand même perdu le rythme. Complètement perdu le rythme. Oh là là. Bon, ça aurait pu être pire. Vous perdez le rythme sur ce fight, c'est mort. Hein. Aïe. Putain, qu'est-ce que je fous? Mise au mauvais moment. Aïe. On doit être pas loin, hein. Aïe. Encore ce petit saut qui sort de je ne sais trop où. Aïe, dommage, dommage. Alors...
Ah, désolé, je rattrape un peu le chat. Ça joue au griffe notre maître. Ouais, Bécrim, il est bien. J'y vais, je re peut-être dans pas longtemps si je peux. Bah écoute, Shadow Wonder, si t'es encore là, peut-être à tout à l'heure. Alors, je me suis arrêtée à ça hier et je sens que je vais pleurer. J'ai déjà mis 10 ans à faire le second combat avec Cornette, alors j'ai pas hâte de le faire lui. Ouais, alors là, moi j'ai vraiment galéré la première fois, là, sur ma première game. Là, j'ai failli l'avoir du premier coup. Failli. Donc, mais vraiment le problème sur ce fight, si tu perds le rythme, c'est fini, quoi. C'est pour ça que j'arrive vraiment pas à regarder le chat pendant que je fais Grim, parce que c'est un peu chaud, quoi. Si tu mets guérison rapide, si tu peux te soigner. Ouais, mais de façon générale, j'essaye de pas prendre l'habitude de compter sur le soi pendant les boss. Je pars du principe qu'il vaut mieux que j'apprenne à mieux esquiver. Ah ouais, ça prend plus de temps, après on est d'accord. J'ai peut-être juste à les mettre sur le banc à Dirt Mask, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas que c'est pas très pratique, mais bon, un peu quand même. Mais c'est bête, j'ai fait des erreurs là, autrement j'aurais pu l'avoir du premier coup. Mais la première fois, je sais pas combien j'ai mis d'essais, mais facile, une trentaine pour Grim. Sinon on en parle, je suis le troisième sur cette chaîne avec un level aussi élevé. Ah bah écoute, hein. C'est ça les gens fidèles, les viewers qui reviennent. Enfin attention à ce que Batman il me saute pas dessus là. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs comme charme maintenant que j'y pense? On va peut-être enlever le truc essentiel qu'est la boussole, hein. Donc, bon, malheureusement, je suis obligée de garder Grimchild. Mais... qu'est-ce que je peux mettre pour un point qui pourra me servir? Ça s'en fout un peu... Les sorts, j'ai un peu du mal à les caser sur Grim tellement il est rapide. Je trouve à l'aiguillon, c'est limite, je vais pas dire plus facile, mais... ça pas le plus utile, ça non plus. Champisport pas plus que ça, il sera pas à côté quand je me soignerai. Et je veux justement pas lui faire des dégâts quand je me soigne pendant qu'il est stagger. Ça j'aurai pas le temps de l'utiliser. Ça non plus. Ouais, le bouclier va plus me perturber qu'autre chose. Qu'est-ce que j'ai là, entaille rapide, ça je garde. Et puis ouais, je sais même pas avec quoi compléter en fait. Charme de vengeance peut-être. Éventuellement. Enfin de vengeance. Les épines. Ouais, je me disais les épines pour un emplacement là, ça va faire un petit peu de pic-pic. Y a pas de platforming là-dedans, donc ça devrait pas me repousser, me foutre dans la dope par rapport à ça. Allez Grim, récupère ton charme. Méchant. Ça me pète deux emplacements. Ben, ça commence bien. Je suis pas dans le rythme du tout. Oh là là, celui-là, il va mal finir celui-là, parce que je suis pas dans le rythme. J'ai presque envie de me suicider là-dessus, de recommencer, qu'est-ce que vous en pensez? Fort que... On va quand même essayer, hein. Parce que on n'est pas comme ça. Ah, c'est marrant, j'ai plus de mal quand il est à droite. Bon. Ok, on va recommencer. Il faut vraiment que je me concentre, donc ben, je suis désolée, je vais ignorer le chat le temps du combat, j'ai pas le choix. Quand je vous dis qu'un rien me déconcentre, je vous jure... Non ! C'est une horreur, quoi. C'est une branche d'arbre qui bouge par la fenêtre que je vois du coin de l'œil, c'est fini. Ah, c'est moche d'avoir le degré d'attention d'une micro-morte. Ok, allez.
retente ça. Ah, je suis pas arrivé à la voir. Mais je l'aime beaucoup ce boss, faut dire ce qu'il y a, il est très sympa. Il a la classe. J'ai pas eu. Là je l'ai eu. Qu'est-ce que je fais là? Je sais en plus qui fait ça. Ok. Ah, bien sûr que non, là je vais les prendre. J'étais mieux parti là, le premier fight, hein, c'est marrant. Oh, y a pire, hein. Ouais, roi des cauchemars, je pense que ça va être très fun. J'ai dit qu'il fallait que je me concentre. Ah, j'aime pas de ce côté, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas quand les trucs sont à droite, c'est hallucinant. Alors que à gauche, je les vois venir. Plus de 10, moins de 10, je sais pas, mais j'étais mieux partie sur le premier en fait, c'est marrant. C'est... je sais pas. Je crois que je suis au troisième là, ouais. De toute façon, c'est très rare qu'il y ait du first try, hein. On est d'accord. Faut que j'arrête de parler en fait. Oh tiens, il me l'a fait différemment là. Pourquoi je saute à chaque fois? J'aime bien sauter, ça doit être ça. Espèce de vieux réflexe moisi de... Oh merci les épines, ça aide un peu quand même hein. Presque. Je voyais même pas où il était là. Ok, bah du coup j'ai plus de quoi me soigner, bravo. Qu'est-ce que je fais? Je vais me poser la question à chaque fois. Ah. On va essayer. Voilà. Marche mieux quand il est plus loin hein, pour cette attaque. Presque. Mais non!
je suis devant casier 2, c'est cool. Ah! Qu'est-ce que je fous? J'arrive pas de ce côté. C'est hallucinant, c'est... On essaye deux fois. Bien sûr que non. J'oublie toujours cette espèce d'inertie juste après, quoi. J'ai dit que je me la fermais, faut que j'arrête de parler. Tant pis pour l'animation du stream, mais là je peux pas. Ok. Merci, j'ai plus d'âme. Voilà, on va se remettre un petit masque. Forcément, hein. Non, ça n'a pas passé. Ça passera pas sur ce fight. Enfin, je pense pas. J'ai pas assez de masque pour tenir le. Encore que. Non, non, non. On tente, hein. Papa, on n'abandonne pas tant que je suis pas morte. Ah. Ah ouais, dommage. J'aurais peut-être dû faire un double saut sur ce coup-là. Ouais, ouais, bah non, mais il est toujours difficile, Grim, hein, c'est... Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai un peu tendance à perdre intérêt, on va dire, pour les parties difficiles du jeu, parce que... Ça fait long, quoi, ça commence à faire long, mais genre long, là j'ai plus la patience. Mon chien qui aboie pour qu'on la caresse. Oh, bah caresse-la alors! Fais-lui un câlinou! Fais-lui un poutou! Un poutou sur sa truffe bien humide. C'est un Yorkshire, ton chien, t'avais dit, hein. Me semble, si je me rappelle les propos. Encore. Qu'est-ce que je... Oh là là, non mais là, c'est bon, là c'est... Je suis en mode fatigue ultime aujourd'hui. Hein. Non, ça va passer. Non, je suis pas dans le rythme. Hein. J'ai paumé le rythme, c'est... Je l'avais plus au début, c'est dommage. Je sais pas pourquoi là, je suis complètement... Non, bon, allez, hop. Allez hop, on va recommencer. Un Yorkshire, ok. Grimroi des cauchemars, je pense qu'au bout de 50 essais, je l'aurai pas. C'est même pas la peine de faire une prédiction. C'est vrai que je pourrais faire des prédictions, mais j'arrive pas à me concentrer dessus de toute façon. Donc... Si un modo veut faire une prédiction, vous hésitez pas. Par contre, faut éviter les plus de 10 fois, moins de 10 fois, parce que faut que ce soit plus précis. Parce que qu'est-ce qu'on fait si c'est 10 piles? Pourquoi je saute? Ah! Décidément, ces réflexes pourris. Je sais pas d'où il vient ce réflexe de sauter. Je sais que je suis pas la seule à l'avoir. Mais... Je sais pas d'où il vient. Là par contre j'aurais pu sauter. Peut-être pour l'éviter, ça aurait été bien. Moi, je suis arrivée à lui sauver un coup, c'est du cool. Alors, on évite les petites flammes. Je sais pas quand je suis à droite. J'arrive pas.
J'arrive pas, quand il est à droite, c'est hallucinant. Je perds tous mes moyens. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ça se produit comme ça? Parce que c'est quand même un grand mystère. On est d'accord que c'est exactement le même pattern, quoi. Y a pas de différence. Ah zut. Non, je peux arriver. Ok. Je pourrais essayer de lui sauter sur la tête quand il fait ça, ça pourrait être intéressant. Je sais pas, je me pose la question. Mais la musique, elle est géniale. Best musique du jeu. Enfin, toutes les musiques du jeu sont géniales. Je pense qu'on peut s'accorder à dire ça. Ok. À chaque fois, ce petit saut qui me fout dedans. Je crois que j'aime bien sauter en fait, c'est tout simplement ça. Ouais, voilà. Deux coups pour le prix d'un, hein. Et pourquoi pas. J'aurais pu essayer de le frapper, on est d'accord. Voilà, c'est pour ça que je me dis toujours deux soins, c'est un peu... c'est grid. Et je le sais, et je le fais quand même. Il faut pas me demander pourquoi. Voilà, là je peux les caser. Ah, raté! J'ai raté Monsieur Grimm. Maître Grimm. On va l'appeler Maître Grimm, ça lui va bien, Maître Grimm. Voilà! Non, j'aurais mis moins de 10 essais. Neruda Monster, bonjour à toi! Alors, désolé. Non, ça va, tu viens d'arriver. Parce que sur ce combat, j'arrive pas à regarder le chat. Genre, du tout. Mais en tout cas, voilà, je suis contente. J'ai pas mis 10 essais, c'est bien. Voilà. C'est normal. Ouais, je perds le rythme, mais hyper facilement. Et ce combat, je pense que c'est un des combats. Si tu perds le rythme, c'est mort, quoi. Ce qui est bien avec Grimm, c'est que son hitbox est tellement petite. Ouais, on adore les petites hitbox, magique. Hein. Ouais. Alors, c'est quoi les 3 zones où t'as le plus garé, les 3 zones où t'as le plus aimé y être? Ah, c'est une bonne question. Je pense que tu parles des 3 zones de Hollow Knight. Je peux dire Neruda? Ok, d'accord, bah je vais dire Neruda dans ce cas-là. Oh, merci pour ton follow, c'est gentil. Oh, il y a Kato62 qui prend des coups. Kato, c'est le boss du stream depuis, je crois, dimanche dernier, il me semble. On va voir combien de temps il met à tomber, lui. J'y vais, bon courage, désolé, mais pour moi, c'est Grimm Forever. Ah, non, mais ce combat est génial, hein. Ce combat est excellent, on est d'accord, je l'adore. Il est superbe. Je suis en train de réfléchir aux 3 zones. Hein. Je n'ignore pas ton message, mais je suis en train de réfléchir. 3 zones que j'ai le plus galéré, je puisse aimer. Parce que le problème, c'est que galérer et aimer, c'est pas. Peut-être. Il y a des zones sur lesquelles j'ai galéré, mais je peux les aimer quand même. Hein. Donc, alors, zone que j'ai le plus aimé. Kato qui a peur de mourir, on s'en souvient. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ancien bassin. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? J'aime bien l'Abyss. Alors, je parle pas en termes de difficulté. Hein. Aimer, ça peut être aussi en termes de pour ce que ça représente dans le jeu, pour l'ambiance, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'aime bien autrement? Verschemin, j'aime beaucoup. C'est une zone très luxuriante, très jolie. Et les zones où j'ai galéré le plus? Ben, le Palais Blanc, évidemment. Hein, voilà. Ce jeu, c'est la vie. Ouais, il est très bon. Il est très très bon, ce jeu. On est entièrement tous d'accord. Enfin, moi, je suis d'accord, en tout cas. Moi et mes 50 personnalités secondaires, elles sont d'accord.
Ouais, donc j'ai galéré au Palais Blanc, même si la zone est superbe, on est d'accord. La musique est superbe aussi. Où est-ce que j'ai bien galéré? Est-ce que le Panthéon, je peux, en son intégralité, je peux, le Colisée, je peux compter ça comme des zones? J'aime bien la zone qui s'appelle Grimm, hein, c'est un boss. Non, mais non! Non, c'est pas une zone, bon. Mais le Colisée, je galère bien, le Colisée 3. Ni profond, bah oui, ni profond, forcément, évidemment. Mais ni profond, tu vois, mon cerveau, il passe en mode « Ceci n'existe pas, il n'y a rien à voir, merci, au revoir. » ouais, ni profond, forcément, c'est clair. Je crois que tout le monde galère à ni profond. Après, ça dépend, parce que y a le souci, c'est que j'ai galéré sur à peu près tout sur ma première partie. Et là, du coup, je galère quand même moins de façon générale dans les zones. Donc c'est un peu difficile à dire. Sanctuaire de l'âme, j'avais galéré quand même avec les monstres qui se téléportent, quoi. Ils m'avaient saoulé, ces trucs. On se souvient tous de l'accueil chaleureux du Deep Nest. Ah ouais, mais trop, quoi. Je suis arrivée en passant par chez les mantes, je regarde, il fait sombre, j'avais pas la lanterne, j'ai fait bon, on se casse. Et là, sur cette partie-là, donc ça c'est ma deuxième partie, je suis tombée dans Ni Profond, j'avais pas du tout prévu d'y aller, j'étais allée voir le prophète de Mousse. Puis en revenant, je me dis... Il n'y a pas une entrée vers Ni Profond ici, à ce moment-là le sol y pète et je me retombe tout au fond de Ni Profond. J'ai fait d'accord, merci. Bon bah on remonte hein. Et c'était pas mal sur ce coup-là parce que j'ai moins galéré que la première fois et surtout ça m'a permis de redécouvrir le jeu dans un autre sens qui était vachement cool quoi. Mais ouais, Ni Profond je crois que... Ni Profond, Palais Blanc, j'ai bien galéré, ouais. Alors, on va donner un peu d'attention à Grimm et puis je me sera peut-être réfléchir à une troisième zone. Bravo mon ami, écoutez comment la foule vous adore. Ils n'ont pas vu un tel spectacle depuis tellement longtemps. Regardez par ici, notre enfant a tellement grandi, nourri et renforcé par la chaleur de notre danse passionnée. Vous allez figurer tous les deux dans de nombreuses tragédies et triompher ensemble, j'en suis certain. Et avec cela, je pense qu'il est temps pour nous de nous dire au revoir. Après une performance comme celle-là, de quoi d'autre le rituel pourrait-il exiger de nous ? Grammaire, Grimm, de la grammaire. Sortez dans l'obscurité, mon ami, et quittez notre scène et laissez-nous performer notre acte final. Ça se dit, ça en français, performer ? Il a dit notre enfant, on est d'accord, oui. Bah, on a dansé ensemble. On a dansé ensemble, on est un peu ses parents. Après tout, je le nourris avec des flammes, voilà, quoi. Un gâteau ! Ah. Ah oui! Oui, cool! Cool, l'emplacement de charme! Ah, les trois boss que t'adores et trois boss que tu détestes. Les boss que je déteste pour moi, c'est Zot, et les boss que j'adore, Grimm. Oh, Grimm, j'adore, franchement. Malgré les galères, j'adore. J'ai adoré. Alors, je vais les mettre ensemble, vaisseau corrompu slash proche disparu, pour ce qu'ils représentent, parce que franchement, c'est ce boss, sur la première fois que j'ai joué à Hollow Knight. Le vaisseau corrompu, c'est ce boss où pour la première fois, j'ai eu une espèce de... Pas d'illumination, mais de... Par rapport au scénario, par rapport à ce que sa présence implique pour notre personnage, ce que son apparence implique, où vraiment je me suis dit, il y en a d'autres, et ça va mal finir pour moi. Donc vraiment pour le côté, puis en plus j'ai envie de lui faire des câlins, et puis ce truc où à la fin, vous l'avez battu, il tombe au sol, et puis... Il relève, il lève la main, vous voyez ses yeux qui deviennent sombres. Ben, le vide, il y avait encore un bout de vide un peu en lui, plutôt que d'être juste transparent, quoi. Et qui retombe. Et ah, ça m'a foutu un coup au cœur, ce truc, quoi. C'est... Mais je le mets avec dans sa version rêve, parce qu'en fait, il représente la même chose, mais juste en plus énervé, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ici? Je me rappelle plus, je crois pas. Ah, j'avais oublié qu'il y a ce petit coffre avec un emplacement de charme. Bah du coup j'ai 11, non? Ouais, 4, 5, 8, 9, 10, 11, ouais j'ai 11. Alors. Ben. Marf. Juste le succès frère et sœur scellé quand tu bats le Hollow Knight avec Hornet, ça veut dire que Hornet c'est ta sœur. Oui!
Mais ça on le comprend déjà avant. C'est... Mais effectivement, si tu l'as pas compris avant ça, là, je pense que c'est effectivement bien clair. Ah, sinon, du coup, alors, Neruda, je t'ai pas demandé, comme j'étais encore un peu sur le truc avec Grimm. T'es tombé comment sur le stream? C'est quelqu'un qui te l'a conseillé? C'est dans les recommandations de Twitch, dans la catégorie Hollow Knight? Je suis un peu curieuse, je sais. Je voulais enlever ce charme. Mais pourquoi il me l'enlève pas? Qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas sur un banc, évidemment. Catégorie HK, d'accord. Franchement, il n'y a pas un succès frère et frère salé avec ce bouton. Mais Zod, par contre, Zod, je pense que n'a rien à voir. C'est un troll du jeu où il a une apparence similaire, donc petit, tête blanche, des cornes, le même genre de cap. Mais Zod, en fait, n'est pas un vaisseau. Je pense pas. Déjà parce qu'il parle. Il parle même un peu trop. Beaucoup trop. Et je pense que c'est juste un gros troll, quoi. Catégorie HK, mais j'ai dû descendre assez longtemps pour te trouver. Ah ouais? Parce que moi, c'est assez marrant, quand je veux faire des raids dans la catégorie HK en fin de jeu, je suis toujours quasiment en tête, quoi. C'est assez bizarre. Et bah, y a peut-être plus de gens, y a peut-être encore des anglophones qui jouent à cette heure-là aussi. D'accord, bah c'est cool de savoir quand même dans la catégorie... Après, ah oui, alors ça dépend, parce que moi, je filtre en catégorie française. Si vous avez toutes les catégories, toutes les langues, effectivement, là, y a plus, quoi. Je crois que je suis la seule personne ici à avoir fait tous les boss en radiant et tous les panthéons avec tous les sauts en même temps. Ah, je ne sais pas, Lunest concurrence, peut-être. Ou alors, il n'en est pas loin. Du coup, on va aux autres flammes. Bah, écoute, ouais, c'était un peu le plan. Je m'étais dit, tant qu'à faire. Avec bébé Grimm qui dort, hein. Oh, excusez-moi. Go les autres flammes, ouais. Alors je sais pas si je battrai pas Grimm roi des cauchemars là maintenant parce que je pense que je suis trop crevée aujourd'hui de toute façon. Tous les panthéons avec Malus et tous les boss en radio. Donc bah a priori bah vous avez le même. Y a un achievement pour ça? Enfin un succès? Donc alors on a ni profond, on a. Oh je vais haïr cette flamme. Le cœur des champignons, ça c'est quoi? Ça c'est... tiens, on va aller au bassin. Et dans la ruche. Ok, bah la ruche, il va falloir que je la fasse, hein, si je veux cette flamme. Bah on va aller au bassin. On va commencer par là. Moi par contre, tous les boss en radio avec tous les bindings, je le ferai jamais. Si je finis déjà les panthéons, je pense que je m'en arrêterai là parce que ce sera tellement, tellement la galère. La station du roi. La flamme au bassin, je la déteste, mais d'une force. Ben, je pense que dans le cœur des champignons, je vais la détester aussi. Encore que. Bah, on va essayer le bassin, on va voir. Sudex, sur mon jeu, la quête du chasseur est buggée, je peux pas avoir les succès liés à sa quête. Oh non, il se passe quoi? Ah, ça craint ça! Oh non, ça craint trop, quoi. En même temps, est-ce que c'est vraiment essentiel que je mette... La boussole, le charme le plus essentiel du monde. Je crois que c'est par là. Depuis longtemps, mince. C'est un bug connu, ou... Ah oui, c'était Grimjal qui l'avait fini, lui, ok. On va essayer de pas se vautrer comme un caca dans les pointes. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire, MTR? Oui. Non mais c'était la pointe du bout! La pointe du bout qui est juste en dessous, quoi! Genre au pixel près. J'en fais plus, je te raclique. J'en fais plus. Je vais faire
un clip, ouais. Il y aura un clip, je pense que ça je pourrais. Ah, je suis en train de me chialer tellement. J'ai les larmes aux yeux tellement je rigole là. Genre t'as vaincu tous les ennemis, tu as toutes les écritures et ça te débloque pas les succès en allant le voir. C'est ça le jeu, pas de les achievements. Ah mince, mince. Je m'en occupe, d'accord, merci. Ouais, mais je fais partie du syndicat des pointes, ouais, je teste les pointes. Ah, elle est vicieuse celle-là, quoi. Ah, le vice de ce truc. Ah, mais sérieux. Bon, au moins là, lui, il est en arrière-plan. C'est vrai qu'il aurait pu être méchant et faire des pointes. Ah, alors j'ai... Ah, attends, j'ai peut-être limité les clips pour les nouveaux follow, genre faut attendre une heure ou un truc comme ça. C'est possible. Si jamais tu peux pas, c'est pas grave, je le ferai après le stream. Mais quoi, 2h05. Ouais, parce que je suis un petit peu parano et c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui follow pour faire... comment dire. Tu sais, j'ai déjà vu ça arriver sur d'autres streams. Ah! D'accord. Ah, ça j'avais pas prévu. Et ça fait 2 dégâts évidemment. Ah mince, non! Mais non, je peux pas sortir. Zut. J'ai failli m'étouffer en buvant Nasty tellement j'ai rigolé dans mes bouches. J'ai bien rigolé aussi. Je vais quand même pas crever là-dedans. Ok, attendez. Voilà, le câble me dérange beaucoup. Ah, c'est mieux comme ça. Ah ouais. Je pense que effectivement ces flammes là je vais crever. Voilà. Pourquoi j'étais cette flamme? Ouais, mais on est d'accord qu'ils vont faire les dégâts partout de la même façon, non? Pas l'endroit où je peux récupérer de l'âme ici par contre. Oh purée, d'accord. Je sens que je vais pas m'amuser avec cette flamme, je sais pas pourquoi. Ça aurait pu être pire. C'est vrai que ça aurait pu être pire. Mais bon, vu que j'ai la concentration... N'oubliez pas, j'ai la concentration d'une moule morte. Donc vous multipliez la difficulté par 2 pour moi, juste pour rester concentré sur un truc plus de 2 secondes. C'est un avant-goût de Grim Cauchemar. C'est un peu ça, ouais. Bon, au moins lui, il a servi à quelque chose. Voilà. Maintenant, je me méfie, hein. Il y a vraiment un petit grain de riz alors que Grim Cauchemar c'est un steak entier. Ouais. Ça c'est une petite bouchée. Voilà. Bah ouais, si ça avait été la flamme normale ça serait allé, mais là... Mais non, mais Batman. Ah là là. Et du coup je vais pas aller récupérer de l'âme où que ce soit. Hein. Je pense qu'on va essayer de la tirer vers là. Ouais, d'accord. Je pense que je vais aller le faire ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors. On va le bourrer comme on peut, hein. Ah, je peux pas le faire à travers. Voilà. En lui bourrant le fion, ça marche. Son attaque avec les piliers de flamme, vraiment pire attaque. Ouais, c'est ça. Alors, attendez. Ça aurait été une arène placard, ça aurait été bien plus embêtant. Ah, une arène placard, tu veux dire très restreinte.
Mon journal du chasseur. Oui, bah oui, c'est vrai que du coup, ça compte. Grim cauchemardesque, voilà. Ça, c'est ceux qui te disent « Salut !» Eux, ça va encore. Et puis, bah ouais, ils portent bien leur nom. Danser, mourir, vivre à jamais. Y'a pas une contradiction là-dedans ? Brûler le roi des cauchemars. La flamme que tu fais jamais au bassin. Bon bah alors du coup finalement c'était la pire quoi. Je suis en train de me demander. Je pourrais prendre le portail. Je vais essayer un truc. C'était pas ça que je voulais essayer, c'est promis. Voilà. C'était ça. Pendant ce temps, le petit bébé Grimm qui ne cesse de miauler. Voilà. Mais remarquez, j'ai testé les pointes. Comme les enfants. Bon, bah, ok, alors finalement, moi je pensais que ça aurait été au truc des champignons, que ça aurait été le pire, à quoi, parce qu'il faut rebondir. Enfin, je pense que c'est par là-bas. Ah, quoi que non, attendez. Hein, je sais pas. Le Fungal Core, c'est quoi le mieux? J'essaie de me rappeler par où faut passer. Station de la reine. Deep Nest. Ouais, Deep Nest, elle est facile, quoi. Bah, de toute façon... En fait, j'ai pas tellement le choix, hein. Puisque la rue, j'y suis pas encore allée. Écoutez, je vais faire celle-là, et puis on verra après si je vais à la ruche. Ouais, mais... Elle est trop facile. Oublie pas un truc, c'est qu'elle est trop facile pour toi, mais pour moi, le jeu est difficile. De deepness, c'est simple. Mais attends, comme dit, je suis pas encore allée à la ruche. Donc de toute façon, je vais peut-être pas combiner la ruche plus, plus la flamme, je sais pas. Enfin, pas... Ah, oh, quoique. On va d'abord aller au truc des champignons. Et puis j'avais dit pour deepness, je réfléchis après. Si vraiment ça me saoule, j'irai à deepness. C'est paradoxal de dire ça, hein. C'est la solution de deepness, c'est la solution de facilité. Et si je me sens d'humeur taquine... Faudra que j'aille à la ruche, mais... Va faire un petit peu, je te l'accorde. Comme dit, vous connaissez mes talents absolument merveilleux pour... Mais ça va, quelque part, j'ai fait le sel du bassin, je suis morte que deux fois. Pour être pire. Pour être bien pire. Donc je vais essayer de retrouver mon chemin. Je pensais pas qu'un jour je dirais qu'à Deepness c'est simple. C'est ça, pareil. Ouais, faut la solution de facilité, on va aller à Deepness, toi. Ça passe dans la catégorie les choses que je pensais pas dire un jour. Donc, oui, alors, Neruda, parce que je me suis interrompue avant dans ce que je disais par rapport au clip. C'est parce que j'ai vu ça arriver chez d'autres streamers et moi je suis un peu parano. Où il y a des gens, des fois, ils viennent follow avec un pseudo qui contient des mots. Du genre le mot anglais qui commence par un N et qui finit par ER et qui est très raciste, tout ça. Et ils viennent avec des pseudos qui contiennent ce mot-là, mais pas en apparence. Donc quand toi tu le lis, t'es un peu dans ton truc, là tu fais un boss, t'es sur Grimm, et tu fais « Oh bonjour machin, merci pour ton follow », et que machin, en le prononçant, ça te fait dire un mot qui peut te faire bannir de Twitch. Le truc, c'est qu'il y a des gens, évidemment, ils font ça pour troller, ils viennent exprès, et après ils prennent ça en clip et ils l'enregistrent. Et j'ai déjà vu ça arriver. Donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte que les nouveaux follow peuvent pas tout de suite faire un clip, faut attendre une heure ou trois heures, je sais plus. Mais y a un, voilà, je suis un peu parano, donc c'est comme ça. Coucou Oxy, comment ça va? Je cherche mon chemin pour faire des flammes qui puent. Puis après on va foutre le feu à ce truc. Alors, le cœur des champignons. Ah, oh, j'ai envie de bouffer des champignons maintenant. Pas vous? J'aime bien les champignons. Boum. Bah écoute, ça va, ça va. Je fais les flammes cauchemardesques. Ouais.
Voilà, donc ouais, désolé, c'était Neruda, c'était pour ça que j'avais mis ça. Mais comme là, t'as déjà follow, voilà, la prochaine fois, tu peux faire des clips, y a pas de soucis, quoi. Moi, je regarde le pseudo, et si à mon interdit, je le banne def et je l'insulte tous les noms. Bon, moi, ben, je banne, mais le problème, c'est que quand t'es dans le feu de l'action, en fait, tu fais pas forcément gaffe. Te dis, t'es concentré sur ton chat, t'es concentré sur le jeu, et tu dis que tu lis le pseudo, et là, et c'est juste au moment où tu le prononces, mais c'est déjà trop tard, que tu te rends compte que ça fait un truc dégueu, quoi. Coup de pelle, puis banne def, ouais. Alors moi, je n'insulte pas, parce que... qui sait? Et je voudrais pas que c'est moi qui me retrouve banni parce que j'ai insulté quelqu'un. Donc, encore une fois, c'est mot de paranoïa ici. Ah! Je suis tombée. Le pipou, Nao, j'ai... Oh! J'ai loupé un pipou! J'ai loupé un pipou! Mais c'est criminel, hein? Tu as raison, c'est un crime. J'ai loupé un pipou. Comment j'ai fait ça? Peut-être parce que j'étais persuadée que le seul pipou qui restait, c'était à la ruche. C'est là-haut. Ça se voit que c'est l'endroit où je vais pas, en fait. Il doit y avoir des machins qui saoulent un peu, genre ça. Donc ouais. Allez, saute sur les champignons. On saute sur les champignons et puis on se prend des coups. Ah oui, voilà, il est là-bas. Mais je suis pas passée là-dedans. Mais ça... Ouais, je confonds avec ma première game. 30 ans de prison pour ça. Moi aussi, je vais transformer dans un bocal. Ah non, je peux pas, j'ai déjà buté le collectionneur. Ok, bah donc il me restait deux pipous. Maintenant, il me reste plus qu'un pipou. Le rando dans ce jeu égale la vie. Ouais. Non, mais je te dis aussi, le truc, c'est que comme j'ai déjà fait le jeu une fois, c'est genre dans mon souvenir, des trucs, plein de trucs sont déjà faits, alors qu'en fait, pas dans cette partie. Et du coup, je me fais avoir. Genre le bouclier des rêves que j'avais complètement zappé. En vrai, je l'utilise pas parce que ce machin qui tourne autour de mon perso, ça me perturbe mon centre d'attention. Je vous avais dit que j'ai le attention span d'une huître crevée. Je plaisante pas. Alors, la flamme qui pue. Non mais champignon métalleux, là, tu sors d'où? Pourquoi je le sens mal? Mais... Comment gaspiller de l'âme parce que je me suis encore plantée sur le dash. Ah mais cet endroit est horrible. Comment vous dire? Ça s'appelle le bouclier éthéré, ouais. J'ai pas vu qu'il y avait resté encore une boule qui explose. Ah non, mais comme dit, même après 150 heures de jeu, ce genre de choses, ça arrive encore ici. Loupé, alors attendez, j'ai raté tout le bien. Pipou, dans ce jeu, la mort, Non, surtout un charme moins, mais c'est une honte, on est d'accord. Item rando, c'est trop... Ah, tu veux dire avec des randomizers? Ouais, je viens de le voir. Ce message sur les pipous, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais... Mais j'y arrivais, ça... Ouais, mais je suis morte dans tout, en fait. Je suis morte des façons les plus connes possibles. Ça fait partie des charmes de ce jeu. C'est toutes les mille et une façons de mourir dans Hollow Knight. Genre ça, il y a un mob planqué derrière un champignon et vous le voyez pas. Tu pensais avoir tout testé? Ouais, mais tu n'as pas mon skill pour mourir connement. Ça, je vous assure que c'est... La mort du proche oublié, exactement, je cherchais.
où je suis arrivée à le buter au bout de 2 heures de galère et je fais ah ouais trop bien, je suis enfin arrivée. Et là bah il restait une des petites merdouilles. Mais qu'est-ce que je fais là? Une des boules oranges et qui me one shot parce que j'avais plus qu'un masque. Il y a un clip de ça. C'est. Je récupère de l'âme, hein. Donc à faire. Donc c'est à droite que je devais aller, sens de l'orientation sur 20. Et là c'est à gauche, je crois. Ah non. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne quitte jamais la boussole? Donne envie de te voir sur Dark Souls. Ouais, je suis assez curieuse aussi de qu'est-ce que ça donnerait, on est d'accord. J'avoue. Je me rappelle un jour t'avoir demandé un item rando sur HK. Ouais, en fait le truc c'est que... Je crois que les modes, les randomizers et tout, il faudrait que je downgrade le jeu et j'ai la flamme. Je crois que c'est ça aussi. Alors, c'est par là. Je vais récupérer mon fantôme. Ah, ça va. Ça va encore. Mais non! Oui, c'est vrai que j'oubliais le Grimchad, il me les bute tous là. Donc, pour me faire un petit peu de... Dame, c'est pas terrible. Pas la peine de downgrade le jeu pour les mods. Mais il fallait pas la version 1.4 et moi je suis en 1.5. Oh, ça a peut-être changé. Hein. Vous me direz, ça a peut-être changé. Ouais, pareil, parce que ça, c'était il y a quelques semaines. Où est-ce qu'elle est, cette flamme? En fait, j'ai perdu mon temps dans l'autre partie là, de la caverne. Ça prend pas longtemps. Ouais. Vous ne connaissez pas la puissance de la flamme chez moi, je vous assure. Mais... Non, j'ai pas honte. C'est plus par rapport aux dernières mages. En fait, c'est surtout aussi, c'est un jeu, j'ai tellement galéré que... Ah, faut que je boive. J'ai tellement galéré que du coup, tout ce qui pourrait risquer de me niquer une partie ou une sauvegarde ou de me... Calme-toi, champignon. J'ai extrêmement peur, quoi. Parce que je vous cache pas, ma game à 109%. Si je la perds, c'est fini, j'arrête quoi. C'est cher chez moi? Ah le... bah écoute, je sais pas, bon j'ai mis ça comme ça, histoire d'avoir quelque chose. Hein. Récompense de points de chaîne à 10k pour faire un item rando. Vu ma flemme, ce sera plutôt 100 000. Hein. Parce que 10k c'est pas assez cher payé pour que je me décide à faire ça. Ouais, faudra déjà que je regarde. Comment ça se passe pour installer tous ces trucs. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a des champignons qui vont m'embêter là. Il est où? Ouais, faut le bourrer quoi. Zut. Ah! Mais! J'aurais pas dû faire ça. Ah, c'était juste, hein. C'était juste. On monte les enchères à 50k, pas plus loin. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Je me renseignerai quand même, juste pour être sûr de que je... Je ferai une copie de mes sauvegardes, des trucs comme ça, juste pour être sûr. Installer des modes sur jeu, c'est ultra simple, ma grand-mère pourrait le faire.
Non, je doute pas que c'est simple. Mais je regarderai d'abord... Je m'assurerai d'abord que ça marche. Du genre, parce qu'on sait jamais. Hein. Je vais pas vous proposer un truc à 50 000 et puis quelqu'un le prend et tout d'un coup c'est... Ah bah en fait, je sais pas pourquoi, mais le mode il marche pas chez moi. Ce sera un peu con. Si vous en avez un bien à me recommander, par contre, hésitez le... un mode, n'hésitez pas à le foutre dans Discord ou... Je vais aller à Deepness, je crois quand même. Pas déconner. Allez, je vais sacrifier une essence. Toutes mes saves de jeu sur un as, trop peur de tout perdre. Ouais, exactement, c'est ça, quoi. Juste le item rando, le ennemi rando, c'est chaud. Non, mais je veux dire, le mode, il s'appelle item rando, ou il a un nom spécifique. Du genre, je sais pas, le mode de bidule, ou... Oui, le ennemi rando, on est d'accord, j'ai peut-être pas envie de me taper des mantes infectées alors que j'ai l'aiguillon de base, par exemple. Ouais, non, je vais aller à Deepness, parce que... Item randomizer, ok. Parce que je veux quand même voir Grimm. Et j'ai pas envie de faire la ruche là maintenant tout de suite, je la ferai la prochaine fois. Bah, se taper Radiance en début de jeu. Ouh, ouais, Radiance avec 5 masques et l'aiguillon de base. Et aucun charme. Ça peut pas être pire que des streamers qui balancent des events à 1 million de points de chaîne. Ouais, bon, ça c'est un peu abusé quoi. Un million de points de chaîne, faut vraiment... Bah déjà, en plus, faut que ce soit des streamers qui streament souvent. Hein, genre 5-6 fois par semaine, parce que faut les... Voilà, même si t'es super fidèle. Installe le mode installer, t'auras tous les choix de mode. Ah bah voilà, ouais. Ah, attends, je me note ça. Mode installer, voilà. Je quoi, je me demande de qui tu parles. C'est quoi, c'est pour la révolution, c'est ça? C'est la récompense révolution. Ouais. Alors, c'est quoi ces mode installer pour Hollow Knight et item randomizer? Ok. Je le note, hein. C'est pas que les noms soient compliqués, mais... Mémoire de poisson rouge. Coucou Noah, comment ça va? Comment ça va pour toi? Je vais aller à... Non, c'est pas la bonne station. Il suffit de cliquer sur un bouton, le mode installer, le mettre dans les bons fichiers, c'est parfait. Ça va être peinard alors. Village lointain. C'est des gens qui se tapent Radiance au lac Dune en item rando. Wow. Du coup tu vas clip. Hésiter mais non, ok. Après ça peut être un défi de chaîne où on cotise sous dans la canute. Oui c'est vrai. C'est vrai que il y a ça. Mais à ce moment-là, il faut que ce soit quelque chose qui soit pour les viewers vraiment en général, pas un à boire ou un truc comme ça, on est d'accord. Tu viens de te réveiller, il est midi et demi. Ah, dormir jusqu'à midi et demi, comment vous faites? C'est quoi votre secret? Je veux savoir. Moi je suis encore tombé du lit à 6h30, on est dimanche quoi. Je rêve d'arriver à faire une grasse matinée, mais j'y arrive pas. Ouais. Ouais, c'est super simple, effectivement. C'est vrai que j'avais pas... Moi, je me suis jamais renseignée, donc il y avait un installateur pour les mods, tu vois. Je savais pas, j'ai même jamais allé chercher. Défi de chaîne, les téléphones, ils l'ont pas. Ah mince! Ah ouais, t'es que sur téléphone, toi, hein, il me semble. Ah ouais, ah c'est... Non, c'est un peu nul, ça. C'est vrai que l'appli Twitch, il pourrait un peu mettre ça. On est d'accord que c'est dans la potato maison. Mais c'est pas celle-là, c'est l'autre. Ah si, c'est peut-être celle-là. Ouh, Clémence qui nous raid. Bonjour Clémence, bonjour à toi, bonjour à tes viewers. Chien chic, coucou, comment ça va? Ah ben, ah oui c'est vrai, mais tu streams le dimanche à 10h aussi. Mais oui, c'est pour ça que je peux jamais passer le dimanche à 10h forcément. Dans soirée, vendredi à samedi, j'ai envie de 4h en tout, c'est pour ça. Ah ouais, effectivement. Ouais, ça fait mal. Oh, à ce niveau-là, moi, je me couche même pas. Hein. Si je rentre à 8h du matin, je me couche pas. Ah ouais, donc Lunest, effectivement, t'as pas de PC. Plein de bisous de la commu. Bah merci, la commu, c'est gentil.
Je vous rassure, je ne suis pas en train de d'aller me petit suicider à Nid Profond. Je cherche juste la troisième flamme. Alors, comment c'est Fartland Crooter? C'est comme ça que ça se prononce? Bonjour à toi. Ouh, y a un bras vert. Ouais, la musique de Raid, elle est sympa, ouais. C'est, j'aime bien, pour moi, c'est un truc de Raid, ça. Je cherche la petite maison. Sans me vautrer. Voilà. On arrive au Grim Cauchemar. Ouais, c'est pour ça que j'accélère un peu. Parce que sinon, la troisième flamme, il faut que je me tape la ruche. Et du coup, là, j'ai quand même envie de voir Grim Cauchemar. T'as un humour particulier, c'est pas grave. Yeah. Moi, j'ai un humour assez particulier aussi, donc... Je vous laisse bonne journée. Bonne journée à toi, Tuba. Merci d'être passé. Et puis, bah, amuse-toi bien avec ton invité spécial. C'est parti pour NKG, ouais. Ouais, c'est Hollow Knight. Alors, j'espère que vous connaissez, mais normalement, Clémence y a déjà joué, donc vous devriez connaître un peu aussi, quoi. Tu es venu. La flamme rouge que j'ai recueillie de ce royaume mort, tu la réclames pour notre maître, pour son acte final. Le rituel se joue une fois de plus. Nous sommes comme les notes dans une vieille chanson, toi et moi. Les chansons de sacrifice sans fin et répétitives, de servitude, pour le rituel, pour la troupe, pour le maître. Même cet enfant est né emprisonné par des chaînes invisibles. Sego Nala. Nous servons, cela en a toujours été ainsi, oui. Prends la flamme alors, c'est bien la raison pour laquelle tu es venu ici. Baba Gondala. Le fait, et pourtant, ce n'est pas seulement par chance que nous nous rencontrons ici, dans les profondeurs les plus sombres et les plus éloignées du monde, où l'œil écarlate du maître ne peut pas vous voir. Une chanson sans fin n'est pas une chanson du tout. Prends part au rituel, mais je sens que tu ne sers aucun maître, est-ce bien vrai? Peut-être qu'en unissant nos forces, nous pourrions bannir cette flamme divine et laisser ce royaume mort reposer en paix. Si tu veux faire taire la chanson sans fin, rencontre-moi où ça a commencé. Je laisse également bonne journée. Ok Clément, chien chic, pardon, c'était pas Clément, c'est chien chic. Ah bah Clément si aussi, je vous plein de bisous, faut que j'aille manger mon estomac gargouille. Bon appétit à tous, c'est vrai qu'il est midi et demi du coup. Donc bon appétit. Nightmare Grim, mais ce boss, mais oh là là, je fonds. NKG, ouais, NKG. Allez, go NKG. Maintenant que j'ai trois flammes. On est d'accord que je vais me faire rétamer la face, quelque chose de beau. Ouh, Fartland Crooter, merci à toi pour le follow. Donc, encore une fois, je vais me faire poutrer la face et il va me la racler dans le gravier 50 fois d'affilée. Mais c'est pas grave. C'est le genre de choses, il faut que j'essaye ça une fois dans ma vie, hein, Grimrod et Cauchemar. Donc on a dit qu'on allait... on a dit qu'on allait aux falaises oubliées pour le bannir, c'est ça? Je déconne. Je sens qu'il y a des fanfictions sur Grim et Nightmare Grim. Ah mais trop quoi. C'est drôle aussi, ouais. Non, je vous rassure, je vais pas aller le bannir. Je fais ça dans mon autre game. Là, il me faut... il va me falloir la... Enfin, j'aurai pas la tuif même tout de suite, on est d'accord. Ok. Alors, on va enlever les charmes absolument essentiels. Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que les sorts, j'aurai pas le temps. Sur lui, bizarrement. Ou pas. Je sais pas si je vais avoir l'occasion d'utiliser le capture âme. Je les ai toujours pas upgradés, ceux-là. Ah là par contre le force aurait pu être cool. Ah ouais, mais en même temps, mais si je peux le mettre, c'est un rêve. Mais ouais, c'est un rêve, donc je peux équiper les charmes fragiles. Si je tentais. Ah. C'est un 3, c'est vrai. On va faire ça comme ça. On va couper la poire en deux. Guérison rapide, tu veux te soigner quelquefois? Ouais. Ouais. Mais c'est à 3, donc ça veut dire sacrifier tout le reste, quoi. C'est-à-dire sacrifier celui-là. Je vais essayer sans la guérison rapide, quand même. Faut quand même que... Il faut que j'apprenne à esquiver, quoi.
Si tu forces à surcharger, mais il va accepter. Ouais, mais je vais me prendre tellement de dommages que ce sera l'équivalent de faire ça en mode radiant, quoi. Donc, parce que je crois qu'il met ses piliers de feu, ils mettent deux masques de dommages. Donc, passer à 4, comment vous dire ? Non. J'ai hâte de revoir Nightmare Grimm. Ah, par contre, je vais pas faire du tryhard pendant 2 heures, hein, on est d'accord, parce que je suis super naze. Mais comme ça, au moins, je vais déjà essayer plusieurs fois. Je dis plusieurs et non pas quelques. Allez, c'est parti pour le poutrage! Pour pas savoir ce qui m'arrive. Je sais qu'il est hyper rapide. Ouh. Mais alors, l'ambiance est géniale. L'angoisse, c'est l'angoisse qui monte, ça devient rouge. Ah, 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 c'est beau, ah, c'est magnifique. Comme il apparaît comme ça. Aussi dramatique que Radiance, je vois. Ok. D'accord. C'était vite vu. Bon bah au revoir, on s'en va. Hein. C'est ça. Allez go Crystal Dash. Je sais pas comment je vais le battre lui. Je sais pas du tout. Non, si je lui fonce dedans, ça va pas le faire. J'ai vu les scientifiques que j'achète. Faudrait que je me rappelle d'enlever le charme de force si je pars faire autre chose à un moment donné. Hein. Je veux dire, j'ai que 939 pépettes, mais c'est pas grave. Parce que je me chargeais pas de sous pour pouvoir... J'irai vendre tous mes trucs pour upgrader les charmes. Ce boss... Ah ouais, ouais, non, mais il est terrible, hein. Il est terrible, c'est une purge. Le problème, c'est que j'arrive pas à le toucher. Ah oui, il y a cette traînée de flammes derrière. D'accord. D'accord, ouais. Ah oui, il va falloir tryhard, on est d'accord. Je fais pas prédiction, parce que la prédiction, ça va être vais-je mettre plus de 100 tentatives ou pas, et je pense que personne gardera le compte. Ce boss va me tuer autant de fois qu'il veut. Ah oui, non, mais Maître Grimm, il n'y a pas de souci, hein, je mourrai pour vous dans le royaume des cauchemars autant de fois que vous voudrez. Enfin, jusqu'à ce que j'ai envie de pisser ou que j'ai faim, quoi. Est-ce qu'il vaut pas mieux que je reste au sol avec ça? Mais je passe pas au travers? Est-ce que j'ai mal branlé le truc? Est-ce que j'ai mal tamé mon dash ou est-ce que on passe pas au travers? Pour 100k, je fais Dark Souls, c'est une bonne idée ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Lequel? Le premier? Le 2? Le 3? Enfin, ça va dépendre aussi est-ce que je trouve en promo un donné. Parce que j'essaie d'acheter en promo quand même quand je peux, sinon... La trilogie, ah! Après, je veux dire, je peux bien essayer, mais ça va pas dire que je vais le faire... Ah ouais, non, mais attendez, c'est pas possible. Mais non, mais je passe pas au travers. J'ai tenu 3 secondes de plus. J'ai loupé un de tes messages. En même temps, Lounès contre Grimm, roi des cauchemars, tu crois franchement que j'arrive à suivre le chat? Je veux dire, là, postez pas des trucs importants, hein, parce que c'est mort.
Alors, il y a un secret à côté de Grimm. À gauche, parfois le plafond il remonte et basse dans le plafond et dans l'une des trous il y a un secret. Ah, je vais peut-être toujours demander s'il y avait un truc dans le plafond. Mais j'étais jamais arrivée à trouver donc. Ici ? J'aime bien le parfois le plafond il remonte quoi. À gauche. Là ? Le boss et la musique me font penser au fantôme de l'opéra un peu. Il y a un très côté fantôme de l'opéra, ouais. Sur une des arches, ouais. Ouais, je me disais ce qui. Alors, attends. Première arche. Ben. Disons, je peux pas sauter plus haut que mon double saut, on est d'accord. Ça va être celui-là. Voilà. Il y a un truc là. Non. Ah, ça, c'est les coulisses du théâtre. Qu'est-ce qu'il y avait là ? Je sais pas si on peut faire quelque chose ici. Ça a l'air d'être tous les masques de l'assistance. Ouais, ça, en fait, c'est ça, c'est les coulisses avec les costumes, les trucs comme ça. Ah, donc c'était la troisième arche, enfin en partant de Grimm. Ici ? Non. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose. Mais c'est pas grave, je sais où c'est. Donc je peux revenir. Ah bah cool, un petit secret. Un petit secret du jeu. Bon, on y retourne ? Ah, aiguillon des rêves, ouais, pas bête. C'était celle-là ? Ouais. Non. C'était celle-là ? Non, je crois que c'est bien celle-là, on avait dit la troisième. Hein. Voilà. Ouais, ouais, c'est moi, j'aime bien les petits trucs comme ça. Dommage que je puisse pas frapper en hauteur avec l'aiguillon des rêves. Mais on est d'accord qu'il y a quand même des trucs à frapper, quoi. Non, ça... Salut, et des salles comme celle-ci dans le jeu qui ont pas vraiment d'explication. Ouais, c'est plus pour le côté un peu ambiance, j'imagine. Et au fait, bonjour à toi, à Kistwiki, bienvenue sur le stream. Ton pseudo me dit rien, donc je pense que tu n'es jamais venu encore. Hein. Donc bonjour et bienvenue. Ça doit bien servir à quelque chose, un endroit caché comme ça. Ouais, c'est les coulisses, c'est là où ils ont leur propre, là, leur... Les ficelles du théâtre, tout ça, parce que c'est un théâtre, ce truc, quoi. Il y a souvent des salles où il faut revenir plus tard aussi. Ah, ça, c'est pas faux, ouais. Ça fait des sortes de sons, comme si tu fais une musique, si tu tapes à répétition, c'est rigolo. Ouais, c'est comme la cloche du coléoptère. Allez, on retourne. Je vais chercher ma poire à lavement et on y retourne. Allez. J'ai déjà arrêté de compter, hein. On doit être à la cinquième fois. Facile. Ah mais je sais pas comment je vais y arriver. Lui. Mais en même temps j'ai dit ça pour tous les boss donc... Mais non, faut pas que je fonce dessus. Ah, y a une ouverture là, mais alors waouh quoi. Elle est chaude.
Ouais, non, se soigner, c'est mort. J'arrête de compter quand je fais un boss. Ouais, c'est ça. C'est... Faut que j'arrête aussi, quoi. Sur Hollow Knight, en tout cas, faut que j'arrête. L'après-dit, ça peut être combien de temps? Je sais pas du tout. Tu veux dire combien de temps elle peut durer? Genre 3 minutes ou un truc comme ça? Mais en fait, le problème, c'est que je sais pas quoi faire comme prédiction, parce que, à mon avis, à moins de 50 essais, c'est pas la peine. Mais je fais pas 50 essais aujourd'hui, quoi, c'est... Zut. Ah! J'avais oublié ça! J'aurais pas dû. Je sais que c'est pas la peine. Moins de 3 heures, plus de 3 heures. Ah ouais, plus de 3 heures. C'est pas la peine de faire une prédiction, c'est plus de 3 heures. C'est... Fini le live sur Zoot, tu veux vraiment me dégoûter du jeu, hein. Non, je vais essayer encore quelques fois. Ah mais si vous voulez que je fasse Grimoire des cauchemars, je vous ai dit, c'est facilement... C'est minimum 50 essais, hein. C'est, je pense que... Il m'en a fallu 20 sur Grim normal. Si pas plus. C'est pas pire que Marcotte en radio, au secours. Oui, je viens de dire que Marcotte en radiance, il est bien... Zut. Y a un timing ici pour... Par rapport aux flammes. J'aurais dû sauter... Ça va pas être évident, hein. C'est... Tu veux à plus? A plus, Noah, merci d'être passé. Combien de lives pour vaincre Grim, Roi des Cauchemars? 1, 2, 3 ou 4? Purée. Mais c'est ça, en fait, d'ici à ce que j'y arrive, tout le monde aura oublié, quoi. Ce sera 15 lives plus tard. C'est pour ça que, sur ce coup-là, c'est... Plus de 4. Après, est-ce que j'ai passé forcément à chaque fois un live entier à faire ça? Je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il vaut mieux sur ce genre de truc, vraiment tryhard des heures et des heures d'affilée, ou bien au contraire des petits bouts par-ci par-là. Mais je pense qu'en fait ça fait partie des trucs qui sont pas faisables pour moi en live. Dans le sens où ça va me demander tellement de concentration que je vais ignorer le chat pendant genre 20 minutes quoi. Bonsoir, je vous laisse, très bon dimanche à vous, encore joyeux anniversaire. Ah, merci Choco. Bah écoute, bon dimanche à toi. Oui, c'est mon anniversaire, malheureusement. Un an de plus. Combien d'heures par live? Bah, on fait des lives d'à peu près 3 heures. Mais... Le truc, c'est que sur ce genre de choses, il faut que je trouve... Il y a un équilibre très mince pour moi entre le tryhard et le dégoût. C'est-à-dire qu'il faut pas que je me dégoûte du jeu, quoi. C'est pour ça que j'avais arrêté de faire le Colisée 3, parce que j'avais plus envie de jouer, en fait. Mais genre, j'avais vraiment plus, quoi. Mais je suis trop près. Voilà. J'essaie de lui mettre des coups pour faire joli, hein. Zut. Il faudrait que je dash au travers. Donc, ne surtout pas prendre le charme qui fait des dégâts pendant le dash, parce que ça me fout la merde sur ça. C'est exactement comme ton autre partie, ça commence à être presque du tryhard. Ouais, c'est le problème, c'est le problème. Mais bon, c'est... Grim, Roi des Cauchemars, j'ai pas le choix, faut que je fasse sur cette partie, je peux pas le faire dans l'autre. Sauf si c'est au Panthéon, mais bizarrement au Panthéon... Bravo. Non, je suis partie. Je comprends comment ça marche ce truc, mais j'ai pas les réflexes pour aller avec. Bon, c'est bien, je l'ai évité, c'est cool. Maintenant, faut que j'arrive à le frapper. Trop court. Zut. Quand on finira Hollow Knight... Alors, attends, là, on fera du Slime Rancher à la place. Je sais pas encore, parce que j'ai envie de faire un autre Metroidvania, mais j'ai pas encore décidé lequel.
Si je me décide pas, je ferai un poster à mon short de toute façon, ouais. Là, j'ai dans la tête, oui. C'est vrai, c'est vrai. Je pourrais pas jouer en live à Hollow Knight, trop de concentration et d'injures. Les injures, ça va, je me suis calmée. Les jurons et tout. Maintenant, je dis Aspide à la place. Ça vaut son pesant de jurons. C'est que dans le 5ème Panthéon, tu le croises, il vaut mieux le tuer ici. Ouais. Ouais. De toute façon, 5ème Panthéon, pour le 112%, il n'y en a pas besoin, hein, si j'ai bien tout compris. Mais non! Je voulais aller à droite. Ah, mais le timing, il va être hyper serré là-dessus. Sur ce boss. On est d'accord que j'essaye de trouver le bon timing pour dasher entre les flammes. Je me prends pas des coups pour faire joli. Mais... Comme en plus, il me faut 15 combats pour piger le pattern. Je vous laisse imaginer. Mais le souci que j'ai avec Hollow Knight, c'est que sous les trucs de tryhard, le problème c'est que en stream, j'ai pas la concentration, mais en dehors du stream, j'ai plus envie de le faire. Donc du coup, je sais pas comment progresser, quoi. Le petit Grime après HK, ouais peut-être, il y a Grime et Ender Lilies qui me tentent les deux. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup les Metroidvania. Vous voyez, je vous dis, je peux pas parler, c'est pas possible. Je peux pas lire le chat, je peux pas interagir. Le simple fait de commenter ce que je fais, ça me déconcentre. Presque. Pourquoi pas Castlevania? Alors Castlevania, ça me tente moins, bizarrement. Alors que oui, c'est on dirait un des précurseurs du genre, on est d'accord. Te débloque une fin, le dernier panthéon, donc si tu fais tous les succès, pas le choix, ouais, mais... Je pense quand même que ça va être au-delà de mon skill. Je vais arriver à une limite à un moment donné et que... Je sais pas si ce sera possible. Parce que bon, après, oui, tryhard, je veux bien, mais si vous voulez, j'ai autre chose à foutre dans la vie que de passer 300 heures à tryhard le même boss. Il y a aussi ça. C'est moi que je savais qu'il allait faire ça. Mais je voulais te frapper! Pourquoi il frappe pas? En plus, moi je suis pas allé dans le bon sens. Ah! Vicieux! Est-ce que je sais pas frapper ou est-ce qu'il y a un truc ici et qu'il faut. Non, à mon avis, c'est je sais pas frapper. Pas cet après-midi, je serais dessus. Ah ouais, tiens, je passerai faire un coucou, t'as raison. J'irai peut-être me balader un petit peu d'abord quand même, mais je crois que t'as vu live à 16h, donc ça va, il y a un peu le temps. Mais, ouais, j'en profite parce qu'il fait un peu beau. Donc, Ah non, mais le Panthéon 5, j'ai pas atteint. Je suis péniblement arrivé à faire les deux premiers. Le 3, je bloque sur Grimm, mais maintenant ça devrait... Je vous dis, je peux pas parler, c'est impossible. Ah là là. Parti comme ça. 16h, ok. Oui, je sais juste pas taper, on est d'accord. Je pensais que c'était ça aussi. Je sors pas là, il fait beaucoup trop lourd dehors, ça étouffe. Mais non, nous, il fait genre 25 degrés, c'est vachement cool. C'est pour ça que je retourne pas en France aussi. Le climat est trop chaud en France. Alors. Je parie évidemment qu'il a genre 40 phases et qu'il lance des boules. Il y en a 100 000 à l'écran, hein. Ouais, ça dépend ce que t'as... Enfin, conseiller, ouais, spoiler, non. C'est... T'as dû le bourrer au sort. Je sais qu'il y a moyen de le frapper à ce moment-là, mais il faut juste que vraiment que j'ai le bon timing. Il y a toujours un truc qui merde. Hein. Il y a toujours un truc. 3 fois de boule de feu. Yes, j'arrive même pas encore à la première. Je pense qu'on a dépassé les 10 fois, c'est pour ça que je fais même pas de prédiction là-dessus. Vas-y, dis ton conseil en chuchotement et je te dis si c'est du spoil ou pas. Après, maintenant, voilà les spoils au niveau de l'histoire ou des zones à découvrir. Plus tellement, puisque j'ai à peu près... Je pense que j'ai à peu près tout fait, quoi. Après, peut-être des conseils de tactique.
Ouais, ça c'est encore autre chose. Disons que au bout de 10 fois à galérer sur le boss, je me dis ouais, ça va, maintenant je connais le boss. je me fais poutrer, donc petit conseil, pourquoi pas. Je m'en fous de faire spoil, j'ai déjà tout fait. Ouais, y a plus grand chose à spoil. Pour moi, sur Hollow Knight, maintenant, c'est ça. J'aime pas ça non plus, tant mieux, ouais. Non, non, vraiment, ce que je considère spoil, c'est genre le spoil et le backseat. Alors, le spoil, vraiment, quand on me dit « Ouais, dans telle zone, tu vas découvrir un personnage qui, en fait, c'est ton frère caché, blablabla, et tout. » Et le backseat, c'est genre, alors tu vas là-bas, tu fais ça, tu tournes à gauche, tu tapes le boss 2 fois. Voilà, vraiment les trucs qui me disent ce que je dois faire. Mais après, des conseils de stratégie, ça va, quoi. J'allais dire, j'ai encore pas perdu de masque, mais j'ai rien dit. Je l'ai pensé, et du coup j'ai Jinx. Voilà, je me suis attiré le malheur. Voilà. Il est quand même en chuchotement, c'est vraiment jamais, on est sur le live, on est parano, c'est vrai. Je travaille, je suis ingénieur réseau, donc je fais un peu de sécurité, cybersécurité, tout ça, donc la paranoïa, c'est un peu un trait de boulot, quoi. J'ai pas le choix, il a fallu que je développe des modes de pensée. Tu sautes, ensuite t'évites les piques, puis tu tapes, puis tu esquives, puis tu sautes encore. Fantasy, il connaît rien. Mais de toute façon, c'est simple, s'il y a des piques, tu sais bien que je vais les toucher. C'est obligatoire. Dommage, j'étais arrivée à le frapper au début. Ah, il aurait fallu que je parte avant. Et on est d'accord, ouais, le spoil et le backseat, ça gâche le fun. C'est ça, ça gâche la découverte, quoi. Disons que si je veux faire un truc, genre je fais un jeu, je sais pas, pour, je veux 100% des succès, à ce moment-là, je vais aller me spoiler toute seule comme une grande avec des guides. Donc, mais si je, c'est vrai que si je le demande pas... Mais je vois les patterns, je vois ce qu'il faudrait faire, mais j'ai pas les réflexes. Ça, c'est un peu le gros souci que j'ai. Pourquoi je saute ? Pourquoi je pars ? Trop tard ! Pour Naofaye, c'est tu sautes, tu te prends les piques, tu ressautes, tu te reprends les piques, tu re-ressautes et tu te reprends les piques. C'est ça. Non mais moi je suis du genre, c'est... Ouais, on va se laisser tomber, on espère qu'il n'y aura pas de piques en dessous. Et puis évidemment, il y a des piques en dessous, quoi. C'est toujours la même chose. Mais surtout, je suis obligée de garder Grimchild. Hein. C'est fou, j'arrive à prédire dans ma tête à quelle attaque tu vas mourir. Bah à peu près à toutes. Laisse-le dormir, quoi? Ah, Grim! Oui! Il dort ou il est dans un cocon? Mais non, mais le pire en plus, c'est qu'il faut que je le bute, parce que sinon, le rituel finira pas. Il aura pas ce qu'il veut. C'est ça que j'essaye de passer entre. Mais c'est pas évident, quoi. Bon, après, je pense que Grim, roi des cauchemars, si j'ai bien compris, il a une purge pour beaucoup de gens. Mais c'est une purge qui est bien. Zod, c'est une purge, t'as juste envie de le frapper, quoi. Oui, je suis dans son rêve, c'est ça. Et il faut que je le bute dans... Alors, si j'ai bien tout compris, c'est un rituel. Où il faut, que je le bute, là, du coup, dans son rêve, après que j'ai rassemblé les flammes. Pour faire arriver à maturité le bébé Grimm qui est avec moi. Et le bébé Grimm, à un moment donné, va devenir le prochain Grimm, roi des cauchemars. Je peux pas parler. Je sais pas si je vais pouvoir faire ça pendant le stream. Honnêtement. Pour savoir, j'aime mieux l'attaquer quand il flotte sur place et quand il tire ses oiseaux. Le reste, faut esquiver et être patient. Message validé par Lounès MDR. Ouais, ouais. Et essayer de caser éventuellement un masque de soin quand il y a les pics qui montent vers le ciel.
Ouais, quand il tire les flammes, mais les flammes, je pense que je peux le toucher plusieurs fois à ce moment-là, mais il y a un timing, il est serré au poil de cul. Et quand il est en l'air et qu'il fait ses piliers de flammes, là, il y a une ouverture pour une, voire deux attaques. Si je me démerde bien pour deux attaques. Mais pour le reste, ouais, je pense que c'est pas... Je suis pas sûre d'avoir essayé de l'attaquer le reste du temps, d'ailleurs. Hein. J'ai essayé de passer au travers et d'esquiver, pas là. Là, c'est pareil, il faut éviter la traînée de flammes. Et c'est là, je sais pas trop, en fait, comment... Je sais que j'y suis arrivée quelques fois, mais c'est plus de la chance que de la technique à ce stade-là. Pour quand il balance ces espèces d'oiseaux de flammes là qui volent. On peut t'appeler... On peut t'appeler Ninja ou Loris. Être patient, zéro patience. Ah non, mais ce jeu t'apprend la patience, hein, franchement. C'est... À un moment donné, c'est soit t'apprends à être patient, soit tu laisses tomber, soit tu casses ton matériel à répétition. Et comme j'ai pas envie de casser mon clavier à 100 balles, ben... Voilà, je suis pas arrivée à le faire. C'est ça, j'essaie de la voir ici, mais... Donc là, il faut que je saute double saut et dash loin de ses flammes. Les oiseaux, c'est un saut, puis un dash au centre, deux, trois à côté de lui sans te faire toucher. Ouais, c'est un truc comme ça. J'y suis arrivée aussi avec avancer normalement, dash. Mais le timing est serré, quoi. Il t'enlève de masque, exactement. C'est pour ça que je voulais pas me surcharmer, parce que... Aïe! Ça aide d'hurler des injures et de rage quit. Oh non, c'est fatigant. Je suis une flemmarde, j'aime pas me fatiguer. C'est fatigant d'être en colère, donc je me mets pas en colère. Faut mieux rester zen. Mais non, je voulais l'esquiver. Non, je suis juste pas tapé en fait. Ce jeu t'apprend aussi à lâcher prise et savoir s'arrêter pour moi surtout. En vrai, c'est ce que j'ai fait avec le Colisée 3, j'ai mis en pause. Je sais pas si je reprendrai, hein. Je vous cache pas. Mais j'arrivais à rien, j'étais à genre 50 essais et limite mon skill se dégradait. J'arrivais de moins en moins loin, donc... Mais je ne sais pas qu'est-ce qui marche, parce que moi, j'ai eu droit à tous les conseils. Du genre, t'arrêtes surtout pas sinon tu perds ton skill, genre arrête-toi pendant quelques semaines, tu verras, ce sera vachement plus facile quand tu reviendras. Donc en fait, je sais pas du tout, j'ai l'impression qu'il y a rien qui marche pour moi. Et c'est un peu frustrant. Pourquoi j'ai fait ça? Peut-être avec un double saut. En plus, je suis en train de réfléchir à comment esquiver ces attaques. Et quand tu dois réfléchir à ton esquive, c'est que c'est mort. Tu peux déjà pas esquiver, quoi. C'est que du timing. Ouais, c'est ça. C'est du timing, c'est du rythme. C'est pour ça que j'ai quand même un doute sur ma capacité à le faire en stream. Parce que, en stream, rien me déconcentre. Genre, juste vous parler, ça me déconcentre, même sans regarder le chat. Le fait, là, il y a un bloc de texte qui est apparu dans le chat, avec Wisebot, et ça m'a déjà déconcentré. Parce que je le vois du coin de l'œil. C'est hallucinant, hein. Ouais, là, je suis partie trop tôt. Mais... ils ont quoi comme hitbox, ces trucs, là? Ah, le vicieux! Ah, le vicieux! Bon, de toute façon, là, j'y passe, on est d'accord. On m'avait dit un saut. J'aurais dû faire un saut. Le tir à l'arc IRL, ça fait un peu pareil. Au bout d'un moment, tu te loupes à répétition, mais il faut continuer à t'entraîner parce que ton corps apprend les bons réflexes et la bonne technique. Ok. Je note. Moi aussi, ça me déconcentre le message Wildbot. Bah ouais, tu m'étonnes, quoi. J'ai un conseil qui va t'aider à gagner le combat à coup sûr pour tuer le boss. Faut le toucher, faut esquiver les attaques pour pas mourir. Les bons tuyaux! C'est quoi le... Ah, c'est...
Attends, je me demandais ce que c'était que ce machin dans le coin là qui bougeait. Je croyais que le mur avait des poils, mais c'était lui, c'était le bébé Grimm. Ah non, mais on est d'accord. En fait, moi, mon but, c'est d'apprendre à esquiver. Si j'esquive tout le temps, j'ai plus besoin de me soucier de me soigner. Ou de perdre des masques. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Non, mais ceci dit, j'ai comme l'impression que je m'énerve vachement moins qu'au début quand j'ai découvert le jeu. Aïe. Ah ! J'ai pas prévu de plier en dessous. Zut, là je suis partie trop tard. J'aurais dû penser à sauter. J'aime bien en plus sur le petit côté la musique, la petite montée de son là, au moment où je crève. C'est très théâtral. Même la mort du personnage est théâtrale quand on crève dans ce truc. Je voulais pas le clip avec les pointes, ouais ouais. Le clip avec les pointes. Attendez, vous savez quoi? Je vais noter le clip avec les pointes. Il sert à quoi le petit d'ailleurs? Alors le petit... il sert à rien. À part me bouffer deux emplacements de charme. Tu enlèves le petit qui te suit, qui t'aide pas pendant le combat, tu prends autre chose, non? C'est ce que Dizès dit, c'est ce que Lounès a dit, faut pas, il faut l'avoir à coup sûr. Si je ne l'ai pas, pour le premier combat, j'ai pas essayé, mais pour le premier combat, il fallait que je l'ai. Si je l'ai pas, il y a pas combat, quoi. C'est ça, la zone se débloque pas. Donc ouais, il m'aide dans les combats, on va dire, normaux, parce qu'il crache des boules de feu, donc ça fait des dégâts aux ennemis, mais pas sur lui, quoi. Bah, c'est son papa, il attaque pas son papa, quoi. C'est ça, ouais, le petit détail qui tue. Je pense qu'on y a tous pensé et on s'est tous fait avoir. Ah. Zut. Pas d'âme pour me soigner. Ouais, j'ai causé un coup. Je suis trop contente, j'arrive à coller un coup à Grimm. Ah là, j'ai eu de la chance qu'il est passé dans l'autre sens. Aïe. Pique. Ça pique. Il y a sûrement un bug qui permet d'y accéder sans bébé Grimm, mais je le connais pas. C'est bien troll, cette bouffe de emplacements pour rien. Exactement. Ouais, et puis en même temps, je veux dire, oui, je pourrais installer des mods qui me rendent invincible, mais il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Je veux dire, je préfère encore laisser tomber que de finir le jeu avec d'avoir tous les succès en trichant. Pour t'entraîner au boss rush avec le malus qui t'enlève les charmes, ça. Ouais. Ouais. Pardon, vous le sentez, le petit bout de désespoir, là? Juste un peu. Zut, trop tard. Je me suis pas raté à temps. Des modes invincibles, mais où est le fun de tryhard? Lol. Ouais, c'est ça. Ouais, mais d'un autre côté, il n'y a aucun intérêt. C'est. Je peux me lamenter autant que je veux sur mon manque de skill, sur le fait que je progresse très lentement et que c'est frustrant et tout. Mais un jeu comme ça. Si tu prends un mode qui te rend invincible, c'est. C'est nul, quoi. C'est. Tu fais ouais super, j'ai battu le jeu. Ouais, trop cool. Ça va être ça, quoi. Bonjour, j'ai pas de réflexe. Aïe. Aïe. Comment ça, j'essaye même pas? Là pour faire. Attendez, je t'autorise ça. Ukota Obeas. Ukota. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Du coup, je suis obligée de regarder le chat entre les combats. Devrait y avoir un malus au Panthéo avec bébé Grimm, ça te bouffe deux emplacements de charme. Ouais, mais ouais, ce sera peut-être quand même moins dur que le binding, je sais pas.
C'est comme les gens qui cheatent, tu sais pas pourquoi, mais ils sont là. Ouais. Ben là, le truc, en fait, ce serait tricher contre moi-même. Donc c'est un peu... Ouais, je me suis arnaqué moi-même, c'est trop bien. Après, le jeu en découverte, c'est vraiment quelque chose. Je peux comprendre qu'on veuille pas être ailleurs et juste découvrir les autres aspects. Ouais. Ouais. Ils sont là pour faire chier le monde. Et en plus, ouais, il est super beau comme jeu. Donc, ça, je vais autoriser. Mais le truc, en fait, après, on arrive aussi sur tout le côté... Est-ce qu'il faudrait différentes difficultés dans les jeux ? Alors, moi, je suis pas du tout dans le camp de ceux qui disent que seul le mode difficile compte. Si tu fais les jeux en mode facile, t'es pas un vrai gamer. Moi, je pars du principe, si tu joues aux jeux vidéo, t'es un gamer, point barre. S'en fout. Peu importe le jeu, tu joues à Animal Crossing, t'es autant un gamer que si tu joues à Dark Souls. C'est un jeu vidéo. Après, le truc, je trouve, de façon générale, qu'il y ait différents modes de difficulté, c'est bien pour donner accès à plus de gens au jeu. Il faut être honnête, bah, une boîte qui fait des jeux vidéo, il faut que le jeu il se vende. S'il n'y a que une poignée de joueurs élites qui peuvent se permettre d'y jouer parce qu'il est tellement dur que personne d'autre y joue pas, que les autres y jouent pas, bah, la boîte elle va couler. S'il y a 10 personnes au monde qui peuvent acheter le jeu et les autres ça les intéresse pas tellement c'est dur, c'est un peu con. Mais il y a aussi le problème de l'équilibrage du jeu. Parce qu'à ce moment-là, il faut équilibrer le jeu pour chaque mode. Donc c'est du boulot en plus, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident comme question. S'il y avait eu un mode facile sur Hollow Knight, je l'aurais fait. Je vous dis tout de suite, je l'aurais fait. Est-ce que je m'aurais retiré autant de plaisir? Je ne sais pas. Parce que d'un autre côté, comme dit, sachant que j'ai commencé à skill, mais zéro, nul, nul à chier. Et que je suis quand même arrivé à 109% sur mon autre partie... Ah, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même une satisfaction. On peut vraiment pas dire le contraire. Bon, ça, c'était nul. Ça aussi. Mais c'est pas grave. Le jour où je battrai Grimroi des cauchemars, je serai super fier de moi. Et vous aussi, quand il recule comme ça, rapidement, il faut penser à une espèce d'araignée. Je sais pas. Ça doit être l'espèce de petite de patte noire. Mais je suis en train de me dire, si Crossworn il est aussi dur, je vais pleurer ma mère, quoi. Je vais pleurer du sang à chaque stream. Ou à chaque fois que j'y joue. Si je fais en dehors du stream. Je verrai si j'ai le droit de streamer la bêta, je suis pas sûre. Mais je demanderai à... comment il s'appelle, Mongoose, Rodeo, machin... le studio. J'ai glissé. Est-ce qu'on peut s'accrocher au mur ici? Je crois pas, hein. J'ai pas essayé. De toute façon, on est d'accord que le prochain coup... J'ai rien dit. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, le jeu m'a devancé. Alors, je sais pas si quelqu'un compte, hein. Moi j'ai arrêté. J'ai dépassé la vingtaine de try. C'est tout ce que je peux vous dire. Enfin, je pense. Ouais, j'ai quand même duré plus que 5 secondes. On prend des victoires là où on les trouve. Aussi petites soient-elles. Mais... Flex 0. Voilà, là, ces trucs, on peut passer entre. Je sais pas ce que j'ai fait là. Mais de la merde. Non, s'il y a quand même une évolution, regardez, je suis pas en train de m'énerver. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Ça vous apprend la patience, ce truc, hein, sérieusement. C'est soit vous apprenez la patience, soit vous laissez tomber, je pense, au bout d'un moment. C'est ça. Alors... Oh, des cauchemars. Grim, en plus en rouge, là, c'est... Je sais pas ce que j'ai fait là, mais... S'il gardait le même pattern à chaque fois, il commençait par les mêmes attaques, ce serait mieux, non? Bah, ce serait pas drôle, ce serait pas drôle du tout.
En fait, je crois que les trucs ça va... sur ce combat, c'est pas combien d'essais je mettrais ou combien d'heures, c'est... Vais-je tenir plus de 10 secondes contre Grimm ? C'est ça. Heureusement que c'est dans les rêves, hein, parce que s'il fallait que j'aille récupérer mon fantôme à chaque fois... Ah, l'horreur que ce serait. L'horreur. Par contre, je suis désolée, ça doit être un peu chiantos pour vous, parce que c'est vraiment de la répétition, enfin, il se passe rien, quoi. Le pire, c'est que je vois où elles apparaissent, ces flammes. Donc là, j'ai sauté, mais peut-être un petit peu trop haut. Ah ouais, je sais pas. Ça va être chaud, hein. Ça va être très 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 chaud. Mais bon, comme je sais que à peu près tout le monde galère dessus, je me réconforte avec ça. Ouais, j'ai quand même encore fait faire quelques essais avant de faire à bouffer. Faudra que je m'étire un petit peu après. Comment j'arrive à me déconcentrer juste avec mes propres paroles, quoi? Sérieusement! Wisebot dans le chat, je veux bien! Mais juste en parlant! Juste en parlant, c'est... Ah, c'est horrible. J'avais dit que je voulais faire un truc. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai déjà oublié. J'avais pas dit que je voulais faire un truc? J'avais dit entre les deux tentatives, je fais, non? Bon. Ok. Mon cerveau est déjà parti en... Il est parti en week-end, voilà. Le cerveau en week-end. Alors... Go Gadgeto Crystal Heart. Ah mais c'est trop beau là-dedans. C'est trop trop beau. J'adore les graphismes. Et comme quoi, je comprends bien Azaïla quand elle parle de la DA du jeu, quoi. Si l'aspect graphique vous plaît pas, ça rend les choses tout de suite très difficiles. Mais... Non, je peux pas passer au travers, hein. Ah, j'y suis arrivée, mais c'était chaud. Aïe. Pique. Il a fallu que j'essaye les pointes, hein. C'est une forme de pointe, n'est-ce pas? Qui sort du sol. Il y a pas mal, il y a plusieurs boss, là. Le Hollow Knight aussi, il aime bien ses attaques en pilier qui sortent du sol. C'est très thématique. Je pense que ça me préparera aussi à Hollow Knight version Panthéon. Hein, version un peu plus couillue. Ouais, non, sérieusement, par contre, dites-moi si ça vous lasse, hein, de me voir réessayer 50 fois, parce que... je peux faire ça 50 fois sans y arriver, hein. Hélas. Pas dû me soigner. Je voulais faire un dash comme et j'y suis pas arrivée. En fait, il y a plein de choses dans ma tête où je me dis il faut que je fasse ça, mais c'est déjà... Quand vous êtes obligé de... Enfin, tant que vous vous dites il faut que je fasse ça, c'est déjà trop tard, ça veut dire que c'est pas un réflexe. Donc ouais. Ah, l'acquisition de réflexe. Hein. Ah là là, c'est... Il faut quoi? Il faut 2 ans? Faut 2 ans que je me tape ça pour acquérir des réflexes corrects. J'espère que ça va plus vite que sur le sport ou les trucs comme ça, parce que sinon... Ah bah dis donc, tu commences déjà, toi. J'aurais dû savoir qu'il n'y a pas rechargé. J'aurais pas dû sauter. Je sais pas ce que j'aurais dû faire.
On va grappiller des petites victoires ici et là. Peu à peu, une par une. Je dis encore quelques tentatives et après faut les faire à bouffer quand même. Et pareil, on avait fait la remarque dans le stream de Monsieur Plop que ce morceau-là, ben, la version pour des cauchemars, il est, je crois que c'est dans son stream, je suis plus sûre, mais qu'il y a le côté rock, il y a l'introduction, la batterie, le côté un peu, voilà, je peux pas dire, je crois qu'il y a de la guitare électrique, je suis pas sûre, mais je peux pas parler et me battre en même temps, c'est horrible, le pire c'est que j'ai plein de choses à dire sur Hollow Knight. J'ai tout plein de trucs à dire sur la musique, la façon dont on l'a utilisée, les thèmes musicaux, les influences, les genre citer l'instrument à utiliser par rapport à un autre. Allez voir le stream de Monsieur Plop le Vrai samedi prochain, je sais pas s'il fera un truc sur la musique, mais de façon générale c'est super intéressant de discuter Hollow Knight comme ça quoi. Et je pense que lui il aura peut-être plus à dire que moi. Encore que. Ok. Ah! Dommage, t'es bien parti. Je pense que là, j'ai pas gris, je vais essayer de l'avoir qu'une fois. Enfin, de le toucher qu'une fois. Mais elle est géniale cette musique, elle est trop bien. Ah! Ça pique! Non! J'ai grillé le soin, j'aurais pas dû. Et je le sais. Est-ce qu'il y a une interdiction de se soigner? Genre en un bouton comme ça, même si je me soignais, je peux pas. Ça m'évitera de développer des réflexes malheureux. Non, faut que j'apprenne à esquiver, ce sera plus efficace que de compter sur des charmes pour me soigner. Hein. Ça prendra que 40 millions d'essais s'il faut, mais... Ok. Oula. C'est pas loin. Ah mais quel con. Ah ça c'était se prendre des dégâts mais bêtement. Il y en a 5 hein. Bon, j'ai réussi à lui mettre un coup, c'est déjà bien. Oh ! J'ai fait quoi là ? J'ai passé au travers hein ? Aïe. Tiens, une partie du thème musical que j'ai pas encore entendu. Ça veut dire que je suis allée un peu plus loin. Ah ! J'ai tenu 15 secondes, hein, je crois. Je ne sais pas. Mais celui-là, il me fait moins suer en tryhard que le combat contre Zoot. Faut dire ce qui est. Faut vraiment dire ce qui est. Allez. On se le retente encore une fois. Bah ça va être une fois courte. Parti comme ça. Ouais ça compte pas. Ça compte pas. Hein. C'était caca ça. Ça compte pas. On va réessayer. Ouais. Oh Daek, vous dit, je crois que c'était dit, hein, t'avais dit que tu préférais dit tant qu'à faire. Hein. Eh ben, Oula, attendez, oula, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Il y a OBS qui a... Attendez, il avait bloqué le chat. Désolé, j'ai...
Oh là là ! OBS, il m'a pas déroulé le chat ! J'avais plus rien après, il est super... Je suis désolée de vous avoir complètement ignoré, je vais faire une pause. Je vous rattrape. Le dernier truc que j'avais qui s'est affiché sur OBS, c'était à 13h07, il est super beau comme jeu. Et moi j'étais en train de meubler comme ça, en me disant, oh, ils sont en train de regarder, ils sont en train de faire à bouffer et tout, oh là là. Alors, je vais rattraper. Après le mode invincible, c'est drôle pour défoncer un boss que tu y arrives pas. Ouais, ouais, mais bon, c'est... Le mode invincible pour moi, c'est plutôt si tu veux faire genre des vidéos, des trucs comme ça pour... Et que t'as pas de temps à perdre à répéter 50 fois le même boss. Mais autrement, je sais pas, il y a quand même... Mode jeu âme d'acier pour un peu plus de défi. Ouais, j'ai toujours pas essayé d'ailleurs. Le jeu est bien équilibré. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors, le côté tryhard est très bien fait, mais ça peut rebuter. Ouais, c'est un peu le souci. Je vous avoue que c'est pour ça que j'ai mis tellement de temps à essayer Hollow Knight. Hein. Parce que moi, tout ce que j'en avais entendu dire, j'entendais dire « Ah, c'est super dur !» Et je me disais « Ah ouais, mais non, mais non. » Après, je l'accorde ceux qui disent que chaque jeu devrait avoir son mode difficile. Ok, ça peut frustrer si le jeu est vraiment facile. Mais c'est ça, si le jeu est trop facile, c'est frustrant. Si le jeu est trop difficile, c'est frustrant aussi. Et au bout du compte, quand vous êtes une boîte qui fait des jeux, pour que vous puissiez continuer à faire des jeux, il faut que vous vendiez suffisamment de jeux pour faire du pognon. Donc il faut ramasser le plus de gens possible, quoi. Je déteste les jeux tryhard sauf Hollow Knight. Je suis désolée, ça me prend super du temps pour remonter tout le chat. Ce qui est chaud, c'est souvent des boss optionnels ou des lieux optionnels. Ah ouais, comme c'est optionnel, du coup, c'est plus difficile, mais t'es frustré quand même si t'y arrives pas, même si c'est optionnel. Mode facile, juste pour être facile, râler pas crête, tu t'ennuies quand même. Ouais, exactement. Ah ouais, puis quand c'est optionnel, des fois on sait pas lesquels sont optionnels, ça c'est vrai aussi. Dans ce jeu, c'est les boss rêves, les boss rush et faire tous les boss en mode radiance, je dirais. Encore que les boss rêves, est-ce que c'est vraiment optionnel? Parce que si tu veux faire le palais blanc, il te faut 1800 essences. Rassembler 1800 essences en farmant juste des ennemis random, bah, c'est long. Hein. Village des Mantes, j'ai dû tryhard au moins 70 fois. Ah, Village des Mantes, le platforming en fait. Maintenant ça va, ça passe crème. Mais le platforming, je me vautrais tout le temps, quoi. Mais tout le temps, je me prenais toutes les pointes. Alors, on a Razen LPEP. Salut, je suis au début, je découvre le jeu tranquille, j'en suis à la 4ème zone et là je vois le boss que tu fais, je déprime. Alors, encore une fois, j'espère que t'es encore là, je suis désolée de t'avoir ignoré, mais le chat ne défilait plus dans OBS, donc je vous voyais pas parler. Donc, bienvenue ici. Alors. Moi, le jeu, au début, je galérais à mort. Ce boss-là, il est hyper dur. Il est franchement hyper dur, c'est un des plus durs du jeu. Les autres, la quatrième zone, ça, tu vas progresser aussi. Il y a aussi ça, tu up en skill, c'est inévitable, quoi. Et le jeu est cool, le jeu est cool et surtout, il est bien équilibré. Le gameplay est très bien fait, ça te donne envie quand même de poursuivre. T'es moins sûre? Si. Moi non plus, j'étais pas sûre non plus au début. La première fois, la cité des larmes, j'étais là, ouais, je vais jamais y arriver et tout. Puis j'y suis arrivée quand même. Je suis quand même battue. J'ai eu 2 défunts déjà, c'est déjà bien. 3, j'ai eu 3 défunts sur les 6. Il est très prenant. Donc, je t'avais dit bonjour du coup. Oh là là, je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé avec mon logiciel de stream, là, c'est horrible. Les 4 premiers avec 2 first try et dire que je pensais que c'était pas mal. Ah ouais, non, mais les 4 premiers avec 2 first try, t'as un skill qui est meilleur que le mien. Donc d'ici à ce que t'arrives sur le boss que je suis en train de faire là, ouais, ça devrait aller mieux pour toi, je pense. La bande son qui est énorme, effectivement. Moi, je parlais musique tout à l'heure. Voilà. 2 first try, c'est super bien. J'ai pas réussi de first try pour l'instant et je dois pas être bien loin dans le jeu. J'ai réussi un first try, je crois. Non, 2. Il y avait genre le flux marme. Et je sais plus quel autre truc. Le... Pas proche disparu. Je trouve plus. Vaisseau corrompu, je crois que j'ai fait un first try. Mais c'est sur ma deuxième partie. Pas sur la première fois que j'ai fait le jeu. Saut entre les boules de feu, c'est validé. Ouais. Fantasy, je dois me couper les cheveux. Je vais vous laisser. Bon après-midi, Fantasy, si t'es encore là. Mais je pense plus. C'est quoi le concept du Panthéon? Tu élimines tous les boss du jeu à chaque étage? Ouais, c'est des boss rush en fait. Et si tu meurs, bah tu recommences le boss rush que t'es en train de faire. Tu les recommences pas tous. Genre 8-9 boss par Panthéon. Ouais, des boss rush. Et ultime avec tous les boss du jeu plus un nouveau. Ah oui, c'est vrai. Panthéon 5, il y a 42 boss et dans les 42, il y en a 3 nouveaux. Donc 42 boss d'affilée. Autant vous dire, je pense que je vais mourir d'épuisement avant.
pour ça que ça me fait penser au fantôme de l'opéra, la musique est aussi épique. Ouais, c'est le même genre d'ambiance. Et puis je veux dire, Grimm, c'est super théâtral, quoi. Alors, Lounès, mais tu les as déjà vus, les autres, même s'ils sont gentils dans l'histoire, le vrai nouveau, c'est le Last. Ouais. Alors ça, j'ai pas encore vu, je crois. Lounès qui envoie un chuchotement pour pas spoil, ok. Alors, Ornette est cool aussi, mais la musique est moins épique. Ah, la musique de Ornette au Panthéon, elle est... Ah, c'était un test, t'as loupé quelques trucs. Ouais, c'est ça, je suis désolée, je sais pas, ça... Parce que normalement, ça me dit chat mis en pause à cause du défilement. Mais là, il n'y avait rien, et moi, je voyais rien qui progressait, donc je me suis dit, ouais, ils parlent pas, ils sont en train de bouffer, quoi. Ça arrive. Les soucis de stream. Le forgeron first try avec un sort, ouais. C'est ça. Panthéon 5, il y a des pauses, t'inquiète pas. Ouais, mais je veux dire, il y a des pauses, mais t'es quand même obligé de le faire d'une traite. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas couper le jeu et aller te coucher et revenir le lendemain. C'est ça, enfin, je pense. Oh là là, bah alors là du coup je vois plus rien sur OBS, attendez je vais. Il est 12h27, je ne vois rien, j'espère que c'est normal. Je vais encore essayer une fois ou deux parce que là j'avais fait de la merde. Et puis, je suis mort trop vite. Je suis pas encore arrivée au Panthéon. C'est intéressant, ça vaut la peine d'être essayé une fois dans sa vie. C'est... Moi j'en ai fait deux sur les cinq. Pas assez rapide. Non mais ça compte pas là, ça compte pas, je perds des masques trop vite. Ouais, je vais pas grid, je vais faire qu'une fois. Même là je grid. Je recommence. Ça compte pas, je suis mort trop vite. Ah bah Neruda, j'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter les tentatives, je dois être à la vingtaine, facile. Je sais pas si quelqu'un compte, mais... Je meurs tellement vite qu'on n'arrive pas à compter, enfin moi j'arrive pas. Mais c'est intéressant, c'est un combat, contrairement à Zot, j'ai envie de le recommencer. Et j'ai envie d'essayer un peu plus que juste 2-3 fois, donc parce que j'aime bien ce boss. Mais non! Qu'est-ce que je fais comme caca? Vas-y, fais du caca aussi. Ouais, alors celui-là avec un saut long, enfin bien en l'air, ça passe. Bon là ça passe pas. Non, ça passera pas. Depuis que je suis arrivée, il y a bien d'avoir une quinzaine d'essais. Ah facile, t'es arrivée, c'était déjà en cours. Ah mais je vous avais prévu que celui-là il va me prendre du temps. Faut pas compter dans HK. Non mais voilà, disons que les premiers boss sur lesquels j'ai galéré, ouais, les mantes par exemple, sur ma première game, j'ai mis une douzaine de fois. Ornette, une petite dizaine. Le faux chevalier, je crois que j'avais mis 4 essais, un truc comme ça. C'était comptable. Voilà. Là, passer 50, t'arrêtes quoi. Il y en a juste tellement. Je suis pas sûr d'être arrivé à le toucher. Je crois pas que j'ai touché, hein. Aïe, là je me suis coincé dans le coin. C'était nul. En fait, celle-là, elle est pas si dure à éviter, mais faut juste. Faut avoir un... C'est comme tout, faut un excellent timing. J'ai pas touché. Le boss des mantes est trop stylé. Ah, mais clair. Ah! Ah oui, parce que les piliers, ils se rapprochent, on est d'accord. Donc si vous allez loin, ils sont assez espacés. Ouais, ok, d'accord. Le jeu change vraiment de difficulté quand t'arrives au village des mantes. Ouais. Au niveau du platforming, en fait. Et comme moi, je suis pas bonne en platforming, de base... vers chemin, c'est, voilà, les routes oubliées vers chemin au niveau du platforming, c'est pépou. Et au niveau des mantes, là, il faut vraiment apprendre à pogoter sur les pointes, les trucs comme ça et ce genre de choses. Aïe.
Voilà, c'est soignable entre les pointes, mais faut vraiment... Ouais, non. Path of Pain pour rire. Ah, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, parce que là, j'ai... je vais... Si j'y vais, je vais faire 5 minutes, et après, je vais aller bouffer, de toute façon, donc... mais je peux... Mais maintenant, bah en plus, dans cette partie, je peux pas. Parce que j'ai pas encore ouvert le palais. Mais je ferai le Path of Pain à l'occasion, ouais. Je sais pas, dimanche prochain, vous voulez que je tente sur ma première game. Éventuellement. Petit Panthéon 4. Panthéon 4, faut d'abord que je fasse le 3. Ah, j'aurais dû tomber entre. Mais en fait, à chaque fois, je sais ce que je dois faire, mais je le fais pas parce que j'ai pas de réflexe. Voilà, j'aurais pas du soin. Je sais pas ce que je fais. C'est après la pause. Ah non, c'est après, je stream pas. C'est pour ça que j'essaie encore un peu maintenant, parce que là, quand j'arrêterai pour la journée, quoi. Oh non, j'ai d'autres trucs encore que je dois faire. J'ai pas encore fait mes courses, faut que j'y aille. De toute façon, là honnêtement, sur Hollow Knight, je commence à atteindre mes limites de concentration pour la session, je veux dire. Donc je me connais, je peux pas faire ce jeu pendant 4 heures d'affilée, par exemple. Ça marche juste pas, quoi. C'est... Ouais, je commence à faire des erreurs, mais des trucs... Voilà. Non, mais là, c'est bon. C'est en train de... La platforming, c'est Soda Muralo de droite à gauche, le truc où je galère le plus, ouais. Après c'est... Pareil, là-dessus, je me suis améliorée, quoi. Maintenant, des trucs où je galérais à la base pour aller à la cité, par exemple, pour dérouler les ponts, j'étais morte plusieurs fois, quoi. Là, maintenant, je prends un ou deux dégâts, bon, c'est réglé, quoi. Maintenant, j'ai Sardoche en tête qui gueule « concentre-toi ». Ouais, parce qu'un mec qui me gueule « concentre-toi », forcément, ça va vachement plus concentrer. N'oublie pas qu'on a dimanche pour les courses, c'est plus compliqué. Ouais, mais ici, c'est ouvert. Un supermarché qui n'est pas ouvert le dimanche à Londres, c'est bon, ils sont morts. Hein. Non. Je peux pas me permettre de prendre des coups, je peux pas. Ah là là, ça me suit, hein, c'est pas... Ouais, c'est clairement pas espacé de façon régulière, ça... Faut que je me déplace, je peux pas rester statique là-dessus. Temple blanc, je sais plus le nom, le palais blanc. Ouais, vraiment moins de plateforme, on est d'accord. C'est... Après, le palais blanc, j'ai optimisé au maximum, hein. J'avais le charme de la ruche... Ah oui, c'est-à-dire, faut que je pense à le récupérer. La chance, j'aime bien faire mes courses le dimanche, j'aime me lever tôt, c'est autre chose. Ouais, moi ça va, le supermarché, il ouvre à midi. D'ailleurs, il ouvre pas assez tôt à mon goût. Je suis une chieuse. Ah, mais non! J'ai pas le timing pour ça. Je sais que c'est possible, puisque je l'ai déjà fait. Il faudrait que je double saut et puis que je fasse un dash, un truc pour pour utiliser l'inertie pour gratter un peu une demi-seconde. On échange. Le chemin secret du palais bleu, non, je l'ai pas fait, je l'ai ouvert, mais je l'ai pas encore fait. Mais c'est pas dans cette partie, c'est dans l'autre. Mais je peux me programmer ça pour dimanche prochain éventuellement, si vous voulez. Ou alors j'attends que sur cette game, je sois sur le palais blanc et puis là, je le fais dans la foulée. J'essaye dans la foulée. Ah non, ça je sais, si je suis coincée dans le coin, je sais pas comment l'éviter. Et je le vois venir en plus, je vois exactement le moment où je vais me faire frapper, mais j'ai quand même pas le réflexe. C'est terrible, hein. C'est terrible de vieillir.
Oh là là, oh la cata. Je suis pas encore arrivé en P1. Je précise, j'ai pas encore passé la P1 de ce boss. J'espère que je décourage personne. Bon courage, tu le fais parce que c'est pas la même histoire, la difficulté du chemin secondaire. En fait, le vrai problème pour moi, sans parler de la difficulté, c'est le fait que c'est très aérien, il y a très peu de pauses. Et mon cerveau a besoin de micro-pauses très très régulières en fait. Donc c'est pour ça le plateforme aérien que je suis pas douée, parce que je peux pas me poser. Il n'y a pas de plateforme où je peux me poser, ne serait-ce qu'une seconde ou deux, quoi. Et je pense que c'est ça qui va être problématique. Donc c'est pour ça que je ferai pas plus que ça des jeux avec du platforming aérien, parce que je sais que ça va être... Non, je suis pas arrivée à la frapper. Lui par contre, je dis pas, hein. Hey, il me fait ça à chaque fois. Snifou, snifou. Bon. Ah, j'ai eu du bol là-dessus. En fait, faut pas avancer trop vite sur cette attaque. Aïe. Pareil pour les micro-pauses, ouais. Et du coup, c'est ça qui est problématique. Et je me rends compte, j'ai le même souci dans des jeux comme Ori, par exemple. Ori qui, techniquement, est moins difficile. Mais le platforming devient de plus en plus aérien. Et en fait, du coup, je suis... Ça marche pas, mon cerveau il disjoncte en route, quoi. Je peux te proposer une musique que tu pourrais écouter? Ouais. Après, je la passerai pas en stream, quoi, mais... t'hésites pas à balancer des suggestions de trucs que je peux découvrir après, quoi. Deathmatch. Faudrait t'as abandonné Ori. Bah, j'ai joué un petit peu en off, mais... Disons que du coup, mon intérêt du début s'est très vite émoussé, on va dire. Non. Va me soigner. Mais... Et pourquoi avant j'y... Oh non. Pourquoi avant j'y arrivais, maintenant j'y arrive plus? Bah ça s'appelle la fatigue. Voilà. Je pense que... Deathmatch, deathmatch. C'est de qui? Parce que vu le nom, il y a fort à parier qu'il n'y ait pas qu'un seul morceau de musique au monde qui ait ce nom. Donc, si c'est tiré d'un jeu ou... Faudra manger là si c'est pire en pire. Non mais bon, fallait que j'essaye, hein. Bon, on grille pas. Ah, on a dit. Oh, Akitsuki, bah merci pour le follow. C'est... J'imagine que c'est pas le skill que tu vas follow. Musique d'un mode de Friday Night Funkin'. Ok, d'accord. Donc si je cherche Deathmatch et Friday Night Funkin', dans ce cas-là, ça me permet... Bon, regardez, alors attends, Deathmatch... Ouh, Mio qui raid la chaîne. Bienvenue à toi, Mio. Bienvenue à toi et à tes viewers. Je crois que t'es jamais passé, donc bah, bienvenue ici, bienvenue à tous. Je vais juste vérifier que OBS il est pas en train de me manger le chat comme tout à l'heure. Ah oui, parce que c'est honteux, hein. Un quart d'heure sans parler à mes... en ignorant mes viewers entre guillemets parce que le chat défilait plus, c'était honteux. Bah comment ça va? Est-ce que tu faisais du Hollow Knight aussi du coup? Est-ce que tu connais le jeu? Alors là je suis sur une purge absolument monumentale. Waits World FR, ploppy plop à toi aussi. C'est pas un film de vampire qui s'appelle Friday Night? Ah c'est possible, c'est possible. Je pense qu'il y a plein de machins qui s'appellent Friday Night d'ailleurs. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu, vous allez voir que je vais vite me faire poutrer, vous allez savoir pourquoi. Donc c'est beaucoup d'esquive et très peu de frappe. Oh ça va, c'est 5. J'aurais pas dû me soigner. Je vous ai dit, il faut pas que je gride le soin. Aïe. Ça pique. Ça pique, ça pique. Wow.
bah merci pour ton follow, à toi aussi. Je suis désolée, c'est pas de la super performance. Hein. Alors, c'est la première fois que je passe une de tes viewers qui nous a suggéré le raid. Ah, qui est cette personne secrète, du coup? Je compte démarrer le jeu prochainement, pour l'instant, j'y ai encore jamais joué. Quand il flotte, attaque-le 2 ou 3 fois, sinon tu le tueras pas. Ouais, mais c'est... À chaque fois... Est-ce qu'il faudrait pas que je lui rebondisse sur la tête, en fait, un truc comme ça, tout connement? Ouais, je vais essayer d'essayer ça. Vas-y, prends ça, Kato, ouais. Ouais, alors, juste si tu comptes démarrer le jeu prochainement, que tu as encore jamais joué, ça, c'est un boss de fin. Ah, c'est un boss de fin, c'est pas la difficulté du début du jeu. Le jeu est pas facile, mais il est très, très, très bon au niveau du gameplay pour t'apprendre à jouer. C'est-à-dire, tu débloques une compétence, tu vois, le jeu te montre, enfin, il t'a déjà indiqué où tu peux l'utiliser, enfin, voilà, tu... T'arrives pas à ce niveau-là du jeu sans avoir appris à jouer. C'est... Il y a bien un film de Vampire Friday Night, les acteurs jouent très bien. Ah, Kitsuiki, t'as jamais essayé de lui rebondir dessus? Moi j'ai fait ça sur le Fluke Marne, quoi. Mais je pense pas que ce soit faisable parce que je crame déjà. En cramant un double saut. Ouais, alors déjà ce sera pas là-dessus. Parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Je pense que si je crame un double saut et que je le frappe... Attends, un double saut, je le frappe, ça reset le saut, donc je peux refaire un double saut... Ah, je sais pas. C'est peut-être faisable, mais il faudrait que je m'entraîne, et... C'est pas le bon endroit pour s'entraîner. Du tout, du tout. Ok. Ok, je vais encore tenter. Ça fait à peu près une demi-heure que je dis « Ah, j'essaye encore une fois ». Ah non. J'arrive pas à caser un double saut ici. Là, je l'ai raté. Ah, mais ça pique trop les deux masques de dégâts, quoi. Le problème, en fait, c'est ça. Le problème, c'est les piliers de flamme. Quand ils arrivent à ce stade, j'arrive pas à le frapper et à les esquiver en même temps. Bon, là, j'ai y passé. Ah non, même pas. Ah, je sais pas. C'est difficile de calculer une tactique dans un combat aussi rapide, quoi. Là honnêtement... pas facile. Je vais y aller, merci pour le stream et bon appétit pour tout à l'heure, bonne journée tout le monde. Et bien écoute, bon appétit à toi aussi. Honnêtement, je vais aller, je fais encore un ou deux essais. Et après, je vais arrêter, je vais aussi faire à bouffer. Alors oui, normalement, je l'ai. En taille rapide, je l'ai. Il me semble que j'ai en taille rapide et charme de force. Je vérifie tout à l'heure. C'est-à-dire dans à peu près 5 secondes à la prochaine mort. Mais normalement, je l'ai. Ah parce que si je l'avais pas là ce serait mort quoi. Ça va se transformer en 10 SS. Y'a des chances, c'est ça le pire. Voilà. Aïe aïe aïe. J'avais dit un ou deux, je peux en faire un deuxième. Peut-être prendre plus de temps à esquiver, je trouve que je prends déjà beaucoup de temps à esquiver mais... Mais oui, on est d'accord, mon but, c'est d'apprendre à esquiver. Et au fait, bonjour Ximir, bienvenue à toi, parce que je crois que je t'ai pas vu non plus. Je sais pas si tu es arrivé avec le raid de Mio, du coup, ou si t'as trouvé le jeu, enfin, mon stream autrement. J'avais dit que je regardais le charme. Quand je vous dis que je suis déconcentrée par un rien, je dis je fais un truc, il y a 15 secondes et j'ai déjà oublié. Ah, c'est terrible. T'es venu avec Mio, ok, d'accord. Bon, là, j'ai essayé d'esquiver, je précise. Là aussi. Mais non! Mais regardez! Quand il recule comme ça, c'est fini, c'est mort, quoi. On avait dit les charmes. En taille rapide. Je pense que
pense que c'était ça que dont tu parlais à Kitsuiki quand tu parlais de charme rapide. J'ai mis ça pour avoir un peu d'âme. Bon, bah ça, j'ai pas le choix, malheureusement. Et j'ai mis ces deux-là, vu que, bon, bah voilà, quoi. Tu bouges pas, j'ai essayé d'esquiver. Oui, c'est-à-dire que dans ma tête, j'ai eu le... Je me suis dit, il faut que j'esquive, mais mon doigt, il est pas arrivé à appuyer le bouton à temps. C'est ça. C'est bien pour ça que je dis, j'ai essayé. Mais c'était déjà trop tard. Ah non, mais j'ai des réflexes horribles. C'est d'une lenteur. Le pire, c'est que je vois les attaques des boss. Dans ma tête, je les vois. Elles sont pas si rapides que ça. Mais les doigts suivent pas, quoi. Bah, j'imagine que ça suivra au bout d'un moment. Ouais, il va me frapper. J'aurais dû esquiver par en dessous. Non, ça j'arrive pas, j'ai pas le timing. Et là, le truc, en fait, comme les attaques me suivent... À la place de la larve, le charme qui empêche le recul du perso à chaque coup, comme ça, tu pourras le toucher plus vite. Ah ouais, pas con. Pas con, pas con. Ah, par contre, ce charme-là, tu vois, sur le Hollow Knight, il m'a foutu dans la merde. Parce que le Hollow Knight, en fait, quand il tombe à genoux, il me tombait dessus, il me faisait des dégâts à chaque fois. Alors juste que justement, le recul, ça me permettait de le frapper et puis d'esquiver sans avoir à me dire je dois esquiver. Génocide d'un mode. Génocide d'un mode, ah ouais. Bah, attendez, on va essayer, faut juste que j'aille au banc pour le charme. Ah non, non, mais oui, voilà, là, puis la synchro tête-doigt. Ils auraient dû mettre un banc là-dedans. Mais c'est vrai que le bébé Grimm, ça... c'est celui-là, un rock solide. Heureusement que j'ai tous les emplacements. Les emplacements, je vais y arriver. J'arrive plus à parler. Je trouve que le recul, c'est le pire truc du jeu. Mais moi, ça dépend. Sur le Hollow Knight, ça m'a bien aidé, en fait. Au Colisée, on est d'accord que ça te fout dans la daube. On va voir. Ça marchera peut-être mieux. En fait, il va me falloir un setup de charme juste pour Grimm, quoi. Déjà, si je pouvais virer son charme à la noix qui bouffe deux emplacements, à cause de ça, je peux pas garder le charme des montres. Ok, on va voir. Hein. Non, pourquoi j'ai sauté ? Pas me caser entre. J'ai le réflexe de faire le dash, mais sur les piliers de feu, c'est pas le bon truc, le dash. Enfin, ça dépend comment ils sont placés, comme ça change à chaque fois. Mais je vois le principe, je vois le principe de ces attaques. Mais ouais, je pense que ce boss-là, il me faudra une centaine d'essais faciles. Hein. Bandit, c'est le dernier. Parce que j'ai franchement la dalle et que la bouffe va pas se faire seule. Voilà, là j'ai esquivé. Je sais pas si j'ai réussi à le frapper une deuxième fois. Ah, comment perdre 4 masques d'un coup? Ben, pour des queues. Ah, ça par contre, je peux vous donner plein de leçons sur ce qu'il faut surtout pas faire. Ça, y a pas de soucis. Il y a une attaque que j'ai pas encore vue. Ouais, je suis pas encore passé la P1 sur ce boss. Bon, écoutez, ouais, j'étais, sinon ça fait une demi-heure qu'il dit qu'il faut que j'aille faire que je dois faire à bouffer et je suis en train de m'auto-digérer. Et là, je commence vraiment à faire de la merde de toute façon. Je pense que j'aime en arrêter là pour aujourd'hui. Alors, si Mio est encore là, te décourage pas. Hein, laisse pas ça te décourager pour le jeu. Le jeu, il va quand même te permettre de progresser en skill. Et puis moi, à savoir que j'ai un skill de merde à la base. J'ai vraiment un skill de merde. Donc, s'il y en a que ça découragerait, vous découragez pas, essayez le jeu. Passez par Humble Bundle en ce moment. Il y a une promo où il vous coûtera genre 6 ou 7 euros. Donc, profitez-en. Et faut pas se laisser décourager. Moi, je me suis laissé décourager et j'ai regretté de pas avoir fait le jeu plus tôt dans ma vie, on va dire, quoi. Alors, je stream quand ? Je stream quand ? Le mardi et vendredi à 19h et le dimanche à 10h.
Il m'arrive de caser des streams entre, mais en ce moment, c'est cette semaine-là, c'était pas possible, et je pense la semaine qui vient non plus. Mais donc ça, c'est mes trois streams casés. Ça me chauffe d'autant plus, au contraire. Ah bah tant mieux, Mio, tant mieux. J'aime bien l'idée du jeu, je l'ai tenté, mais je déteste le backtracking. Ah, moi j'ai adoré en fait. Je connaissais pas les Metroidvania, et justement j'adore le principe de t'as des zones bloquées, et tu vas débloquer des capacités plus loin, et tu dois retourner en arrière, et là tu débloques des trucs auxquels t'avais pas accès. Ah, ça j'ai adoré comme principe, quoi. C'est... Ah, comme quoi c'est marrant. Ah, par contre, je suis pas du tout platforming, et du coup je souffre sur le platforming du jeu, quoi. Ah, comme quoi on a vraiment. Ouais. C'est marrant, hein, d'une personne à l'autre, comme ça change, comme ça change. Et du coup, Loudas, oui, du coup, raid. Petit raid, on finit le stream par un petit raid ici, c'est la tradizione. Aerostar, il est en raid. Ah bah on va aller voir ça, qu'est-ce qu'il fait de beau. Parce que moi, j'ai assez rarement des gens en raid dans ma liste à cette heure-là, le dimanche. Alors si, bon, j'ai des trucs, j'ai sur PC, joueur du grenier, quoi, mais enfin bon, on va peut-être pas faire un raid, je suis joueur du grenier. Il fait du Days Gone. Bah écoutez, pourquoi pas, on peut faire ça. Aerostar, je l'ai pas raid depuis quelques temps déjà, il me semble, hein. Vous entendez le petit bébé Grimm derrière? Qui fait des petits bruits. Ok, bah écoutez, à défaut d'autre chose, moi je dis, Aerostar, ça fait un moment que j'y étais plus, effectivement. Donc ça lui fera plaisir d'avoir un poté raid. Puis ouais, il a pas des masses de viewers, mais je pense qu'il vient de lancer le stream aussi, donc ça doit être pour ça. Ok, bah écoutez, en tout cas, je vais noter qui c'est qui m'avait raid. Il y avait Clémence et il y avait Mio. Alors Mio, c'est quoi? C'est MY_YO_. Parce que j'aime bien remercier sur Twitter et tout, donc puis j'irai voir après les gens qui m'ont raid. Donc voilà. Ok, j'ai juste coupé le jeu pour le coup. Et puis bah je sais pas si je reprendrai là la prochaine fois. Si jamais je reprends pas et je vais aller faire autre chose, rappelez-moi d'enlever mon charme de force. Parce que sinon ça va chier dans la colle pour le charme, parce qu'il est pas upgradé. Bah écoutez, le raid va partir dans quelques secondes, donc encore une fois, je vous remercie. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de kills, mais c'est pas grave, on s'acharne, et puis un jour on aura Grimm. Hein, on l'aura, Grimm, roi des cauchemars, c'est un truc à faire une fois dans sa vie. Et ravi d'être passé, bah écoute, avec plaisir pour moi aussi, Mio, et puis j'essaierai de passer chez toi à l'occasion aussi. Hein. Je voudrais l'enlever avant d'arrêter pour éviter l'accident, c'est une... bonne recommandation. Ok, le raid va partir, on a quelques secondes, donc je vous dis bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé, encore merci, et puis bah bon dimanche à tous. Bye bye.